مرحبا مرحبا بكم كاملين. Je suis toujours contente de vous voir aussi nombreux. Je suis toujours contente, aussi contente de voir les étudiants ici. Et puis ça va de la deuxième année, je crois, jusqu'au doctorat. Je suis toujours contente, il y en a pas mal aujourd'hui. Et puis je crois qu'il faut qu'on commence, okay? Parce qu'ils sont quand même en retard. Et puis là, on ne peut pas se permettre avec autant de monde de... Alors, je voulais juste poser deux questions. Je voulais pas parce que bon après, quand je le lisais, c'est comme si je me baladais avec Chikulo, Maria Zitoun, Berbelafoul. Et je me suis dit, je vais poser deux questions quand même parce que je pense qu'il y a pour moi deux questions à poser. Et puis après, je me suis dit encore un petit point. Je vais peut-être commencer par le petit point et ensuite poser mes deux questions. Voilà, donc on a aujourd'hui Mahi Binbin qui est venu nous parler de son roman La rue du pardon. On a beaucoup hésité avec l'éditeur, rue ou la rue. Alors, avant de poser mes deux questions, je voudrais juste dire un petit mot pour dire que le livre, le roman, il commence, ça on n'a pas dit, les rencontres d'Yaoulna, Dr. Ahmadi, comité de lecture. Mes deux questions, je me suis dit, ce roman commence par la différence. La narratrice est en blonde, et bien sûr, elle est née dans un milieu basané. Sur cette différence, se construit toute l'histoire. Sur cette différence se construit l'histoire d'une vie avec ses joies qui sont rares quand même, mais ses douleurs dans un milieu social violent. Il reste violent avec le milieu social. Milieu social qui porte aussi en lui la différence. Pas parce qu'il est porteur de honte en plein jour. Parce qu'on a décidé de l'ignorer, de le marginaliser. Alors, on a une lecture descriptive de ce milieu peint, de ce milieu qui peint les murs et les âmes avec précision, sans pudeur, ou peut-être une seule pudeur qui laisse le lecteur libre d'interpréter le sens des mots pour y trouver à sa convenance le viol ou la violence. Ou les deux. Et puis il y a le peintre. Le peintre s'invite aussi pour nous décrire les couleurs. Alors, blondeur, fil d'or, gris poussière, je vais passer tout ça. Et l'écrivain lui, alors on arrête les deux points, puis on a l'écrivain lui, qui introduit le bruit des oiseaux, le silence lugubre et les voix graves qui tous manquent dans un tableau d'apparence silencieuse. Tous les sens et les sentiments cohabitent dans les penchants artistiques de la narratrice qui, au-dessus de tout, révélera celui qui sauve sa vie, l'amour. Et j'ai deux questions. Alors mes questions, les questions que j'ai eues au départ, je vous ai dit j'ai deux questions. Ma première question porte sur la perception des arts populaires dans notre société. Alors, les arts populaires ont un statut crucial par le fait qu'ils sont fédérateurs du plus grand nombre. Dans l'histoire, avec un grand H, certains penseurs de gauche, aussi influents que Bartin et Gramsci, ont pris leur défense. Une armée d'intellectuels conservateurs, ainsi que plusieurs progressistes, Adorno, Arendt et Bourdieu notamment, les ont rejetés en insinuant que des notions même d'art, de culture et d'esthétique populaire constituent des contradictions ou des erreurs catégorielles. Au Maroc, je me pose la question de leur perception à l'époque du roman. Libérateur, interdit, rebelle, on y reviendra au cours du débat, je l'espère. Ma deuxième question porte quant à elle sur la société marocaine elle-même entre la période du roman et aujourd'hui. Parce que quand même le livre s'appelle La rue du pardon. C'est pas les habitants qui ont donné ce nom, hein. C'est la société. Donc ma deuxième question porte quant à elle sur la société marocaine elle-même entre la période du roman et aujourd'hui.
la dénomination même du roman. Rue du Pardon me renvoie à la question suivante. Notre société, à l'époque du roman, pardonnait-elle la rébellion à ces artistes qui définissent une part importante de notre identité? Si ce semblant de pardon et d'acceptation était de mise à l'époque, qu'en est-il aujourd'hui? Vous imaginez une rue et puis qu'on va l'appeler, où tout cela se passe et on va l'appeler la rue du pardon, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ça c'était ma deuxième question. Voilà, et je m'arrête, et puis je laisse la parole tout de suite, peut-être un petit peu aux membres du comité, très vite, 5-10 minutes. 5 minutes. On commence par Khadija Zeidan, on a beaucoup travaillé avant cette rencontre, on se réunissait très souvent. Des fois c'était marrant parce que c'était dans un restaurant, puis après c'était pour travailler. Donc vas-y. Depuis la sortie de Rue du Pardon, vous avez été invité sur plusieurs plateaux. Vous avez été invité par des journaux. Vous êtes passé sur des plateaux internationaux, nationaux, etc. On vous a posé mille et une questions, à tel point qu'on ne sait plus quoi vous demander à propos de ce roman. Avant de venir à votre livre, j'aimerais vous dire deux choses qui viennent du fond du cœur. Premièrement, vous remercier pour ce que vous faites à une génération qui est à la mienne et aussi aux jeunes, parce que vous leur faites revivre une période extraordinaire et vous mettez des mots surtout sur des choses que nous connaissons toutes, auxquelles nous pensons, mais dont nous ne parlons pas souvent. Vous arrivez à mettre des mots dessus. Je voudrais aussi vous remercier du fond du cœur pour ce que vous faites pour la jeunesse de ce pays. Les étoiles de Jemaa el-Fna voient le jour bientôt, après bien d'autres à travers le Maroc, grâce à vos efforts. Et on ne peut que vous en féliciter. Venons-en au livre. L'univers que vous décrivez est triste, tragique. Pourtant, il est plein d'espoir et de vie. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs vous avez donné le nom de Hayat à votre héroïne. Non, pardon. C'est une ode aux femmes marocaines et surtout à celles qui d'habitude sont marginalisées. Du coup, ces chichettes nous séduisent, nous fascinent. Vous êtes un excellent conteur qui, au fil des œuvres, fait un travail très approfondi, aussi bien au niveau de la description. Et vous avez là aussi l'avantage, la chance d'être peintre, sculpteur, et donc la description coule de soi. Qu'au niveau du choix du lexique, un vocabulaire qui, j'avoue personnellement, me fait ouvrir le dictionnaire très souvent. Des mots que vous avez l'art d'utiliser dans des champs très différents. Et je prendrai un exemple, parce qu'on en a parlé avec le docteur Kimaldi, c'est le mot engeance. On l'a trouvé dans un champ qui, à la page 24, vous l'utilisez pour décrire des êtres dont, je prends vos mots là, dont la noirceur de l'âme déteint sur leur sinistre figure, et que l'on retrouve à la page 125 quand vous parlez de la haute société marocaine. Donc cette engeance, elle existe aussi bien en bas qu'en haut. Cette engeance, quand vous dites cette engeance, enfin, vous faites dire Hayek, cette engeance se mit à m'aimer avec la ferveur des convertis. Vous avez l'art de la métaphore qui rend concrète l'idée. Et comme disait Voltaire, la tragédie admet la métaphore, mais non la comparaison. Parce que la métaphore, quand elle est naturelle, elle appartient à la passion, alors que la comparaison n'appartient qu'à l'esprit. Et ainsi, vous suggérez, sans jamais occulter, vous n'occultez personne. Le ton passe du comique au satirique. Il est critique, tragique et souvent ironique. Je ne relevais là que quelques points du livre. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui sont plus spécialistes et qui vont aborder ces points tout à l'heure. Si on devait relever tout, et on en parlait l'autre jour avec Dr. Ahmed, on y passerait des soirées sur ce livre. Je ne me trompe pas. Par contre,
Oui, par contre, avant de conclure, parce que j'aimerais vous lire deux petits paragraphes, tout petits, que vous avez mis dans la bouche de Hayat. Je ne vais pas les commenter. J'aimerais juste les lire et je vous laisserai à vous de nous éclairer si vous voulez nous en parler. À la page, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait la même édition, mais en général, c'est une page avant ou une page après. Elle a fait 25 ou elle a fait 24. Voilà. À la page 125, donc là, 125. Hayat parlant de sa mère, de Mamita. Elle va nous dire Mamie, Mia, Maya, Mamita, nommez-la comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai la folle envie de l'appeler maman. Une maman qui voit, se bat, construit. Une maman qui protège sa progéniture du danger, qui aime et qui le dit. Nos liens, si indéfectibles soient-ils, n'influent pas sur mon jugement. Pour être nourri de son art, pour avoir été modelé de ses mains, de son amour, pour avoir attelé mes démons à la folie de ses rêves, je ressens ici le besoin de raconter son œuvre. Et puis, à la page 141, ça doit être 142, mille fois, j'ai tué mon père. Pardon, je suis un peu... Je suis désolée. C'est pas grave, on est pour vous. C'est pas grave. Il est comme ça. 107, 100 000. Mais on peut être tranquille, on n'a pas besoin. Non, mais c'est un tout petit paragraphe. Mille fois, j'ai tué mon père, et de mille façons différentes. Ses morts variaient au gré de ma douleur. Quand tout allait bien, je l'étouffais à l'aide d'un coussin dans son sommeil. Alors là, elle a parlé du père, de la mère, maintenant elle parle du père. Des fois, je lui plantais un couteau ou une fourche dans la poitrine. Il m'arrivait aussi de le châtrer, le laissant dépérir dans une cave obscure. باش يتعافوا قبل ما يمشيو. بس انا جوست افي با دو تو. في كاين فاس في كودية العفو كانت معروفة قدام البحر منها كيقبطوا الطريق للحج. واو. اللي تعافوا ولا تسامحوا. تسامحوا يا هذيك. يا هذيك. سي سكو جو فولي دير. ميرسي دو مو كوريجي. فوالا. Il a la précision des orthopédistes. Donc, je pense que ça doit être. Il se pourrait que ce soit un point aussi où les gens d'un quartier se regroupaient pour se dire un au revoir calmement et avec l'espoir qu'il reviendrait de là-bas. Et comme ça peut être aussi. Alors, ce que je propose personnellement, c'est d'abord de donner la parole à Mahi. Là, elle n'a pas du tout. Qui ne parle de ce texte. Parce que certainement, suite à la façon dont vous parlez de ce texte, de le présenter, peut-être ça va ouvrir le débat. Donc, ça va aussi réorienter notre lecture. Mais ça va égayer là, au moins. Donc, ah oui, parce que nous, on est là pour vous écouter. Là, pour nous écouter aussi. Mais après, parce que Serbej a fait une lecture et on va écouter. Hanan
Moi, de passage, quelques remarques. Alors, Marie, tu commences, toi, et puis après... Si vous voulez. Il y a... Un avis de spécialiste, quand même. Les universitaires pensent toujours que l'écrivain a réfléchi. C'est pas le cas. Moi, j'ai utilisé engeance comme j'aurais pu utiliser. Là, voilà qu'il a réfléchi. Non, c'est faux. Non, peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient. Moi, j'ai lu, il y a eu le livre qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 30 ou 40 spécialistes du monde entier qui ont fait un livre sur mon travail, sur mes livres. Et ils ont des fois analysé des textes. Quand je lis ça, j'ai l'impression que je rêve. J'ai jamais rien pensé de ce qu'on m'attribue. C'est un point très important. Mais on me dit, voilà... dans un texte, on m'a compté le nombre de fois où j'ai utilisé le mot serpent, le mot chat, le mot... Enfin, c'est un serpent qui se baladait là, on aurait dit les nuls. Et du coup, on liait ça à mon nombril. Donc, c'est pour ça que, la vérité, moi j'aurais préféré une soirée de chirette. Plutôt que de petites chirettes. Mais enfin, pour vous faire plaisir. Non, on peut s'improviser nos chirettes. Mais après avoir décortiqué le texte. Je vous promets qu'on voulait amener Tsunami. Ou elle est qui, je me suis dit. Dites que je vais la sortir. Ou elle m'a dit, je vais dans sa voiture. Tu voulais ça, je vais la Alors, je ne l'ai pas fait, mais je voulais le faire. Alors, l'idée. Alors, Ilham ou. Elle est là. Ah oui. Elle est à Marrakech. Non, mais moi, j'ai essayé de dissocier ce livre de Tsunami. Parce que c'est son histoire. C'est vraiment son histoire, mais. L'inceste sans la romance. Là, mais attends, et je lui ai dit, ne le dis pas. Ne le dis pas parce qu'elle a dit à la télévision, et il est en train de raconter ma vie. J'ai dit non, c'est pas ta vie. Elle a lu le livre. Non, mais elle l'a flatté qu'elle écrit. Mais oui, ben oui. Et donc, cette artiste qui n'est pas Tsunami, donc, à chaque fois qu'elle est fatiguée, elle vient chez nous à Tahinaut, vraiment. Elle vient à Tahinaut et elle se retrouve. Avec des artistes qui la regardent comme une artiste, pas comme une demi-pute, pas comme une comme la société. Donc, elle reste chez nous pendant une semaine à chaque fois qu'elle est fatiguée et on passe des soirées absolument sublimes. à 3 ou 4 avec Mahdeko Menji, et voilà. Et donc, j'ai su son histoire. Et c'est une histoire qu'elle redit d'ailleurs, parce qu'elle elle a vraiment habité rue du Pardon, de Blefou. Elle est née là. Et nous, on a vécu, c'était à 3 minutes à pied. Quoi. C'était... Donc j'ai eu envie de raconter son histoire et rendre justice un peu à ces femmes. Et à travers ce texte, tomber dans le sujet actuel qui se passe en ce moment. Oui. Je ne l'ai pas fait exprès, mais en ce moment, c'est ça. On est dans cette affaire-là. C'est-à-dire, on ne veut pas se voir, on refuse. C'est-à-dire, Shira, elle est aimée, elle est détestée, on la veut sans la vouloir, mais on la veut quand même. Parce qu'on ne peut pas avoir de fête. Moi, je ne conçois pas un mariage ou une circoncision sans Shira. Je ne peux pas concevoir une chose pareille. Et moi, j'ai grandi dans ce milieu. Donc, j'avais envie de rendre justice à ces femmes. J'ai fait une petite vidéo et... Pour cette pétition qu'il faut que tout le monde doit signer cette pétition. Non, on l'a signé. Il faut signer, il faut aller parce que il y en a marre dans ce pays de l'hypocrisie. Il y en a marre. Il faudrait que
Moi, la fille qu'on a arrêtée, qui a 28 ans, même si elle pense différemment de moi, et même si je combats, mais c'est une fille qui a été emprisonnée parce qu'elle a avorté ou parce qu'elle a fait l'amour sans être mariée. Il y en a marre. Ouais. Et donc, il y a cette pétition qu'il faut absolument signer, parce qu'on est à peine à 8000. Juste en train de prêcher pour 10 000. On est à 8000 aujourd'hui. 8500. C'est ce qu'il y a 10 000 aujourd'hui. Ah, peut-être. On a besoin de 25 000 pour déposer un projet de loi. Avec 25 000 signatures, il y a un texte où on peut vraiment déposer. Waouh! Wow. Donc, il y a des juristes qui travaillent avec nous. Mm-hmm. Donc, on est un peu dans la même logique, parce que Shira, elle véhicule une sensualité. Elle exhibe son corps. Elle emmerde tout le monde. Elle décomplexe la parole. Elle parle. Elle chante. Mais vraiment, moi, je les vois comme des féministes avant l'heure. Eh bien oui. Ce sont des femmes qui ont bravé, qui se sont appropriées la rue. Moi, je me souviens de Shira Serrinia. Oui. Elle existait. Elle avait deux filles. C'était une famille de Shira. Et j'ai vécu avec cette femme quand j'étais petit. Je la voyais passer avec ses gros seins. Il y avait du ventre. Et c'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont appropriées leur corps, qui l'ont revendiqué. Elles ne se font aucune illusion. C'est-à-dire, elles savent bien que la société les rejette. Mais elles sont là, elles s'imposent. Voilà. Donc, j'avais envie de rendre justice à ces femmes que j'adore, ces artistes qui sont mes cousins dans la seconde. Et donc, elle a eu une histoire tragique. Ma copine, puisque elle a été empoisonnée, elle est devenue dingue. Je veux dire, dans ce pays, il faut s'asseoir dans un café et on vient t'offrir un roman. C'est juste comme ça. La plupart de mes livres, on me les a quasiment offerts. Mais vraiment, elle n'a pas offert ce livre. Le livre d'avant, le Seigneur vous le rendra. Le fou du roi aussi. Le fou du roi, ça. Le Seigneur vous le rendra. Il y avait mon copain, Jamal Fna, dans le café. Il m'a dit, tu vois la femme là-bas. Ouais. Ça fait 15 ans qu'elle mendie avec le même gosse. Tu imagines, on ne peut pas dire ça. Il y a un roman. Pour Pauline, il y a un copain qui était musicien à Ktama. Il m'a dit, tu sais, pendant quel jour j'étais dans un état. Mais vraiment, je lui dis, mais tu ne fumes pas, toi, tu ne te drogues pas. Il dit, oui, mais tout le monde. Pauline, le pollen. Parce que, évidemment. Mais tous les livres m'ont été offerts. Et là encore, là, on m'a offert l'histoire. Et il y a un personnage que j'adore dans ce livre, qui est le grand-père, un beau personnage. Wow. Mais il existe. Il a tourné la Khadija, elle va nous en parler pendant une heure. C'est le personnage qu'elle avait dit. C'est adoré. Alors, Tamgat, comment j'ai su l'histoire? J'allais chez ma copine, Madame Bouhlet, et elle avait sur une étagère dans son bureau une poupée avec un pion, moins un petit camion avec deux roues, un tagine fêlé. Elle avait tout un truc comme ça. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais dis donc, Elisabeth, c'est quoi cette installation? Elle m'a dit, assieds-toi, je vais te raconter. Voilà. Et alors, elle m'a raconté l'histoire de Tamgat qui était portier pendant 45 ans. Il était là pendant 45 ans, portier. Et à l'époque, c'était les portiers avec uniforme, avec les galons. Et donc, il a toujours été là devant cette porte. Et à 70 ans, on lui a dit,
un soir, alors on va la retraite. Ah, ils étaient très contents, la retraite. La retraite. Ils lui ont fait une fête, tout l'hôtel était là, on lui a donné des cadeaux, des machins. Ousmane, j'ai un autre demain. Mais l'autre demain, après, le soir, ils ont pleuré, ils ont raconté ça. Mais c'est la vérité. Que veux-tu qu'il fasse? Le lendemain, il était là, il a trouvé un jeune, il l'a viré, parce que évidemment, il est sûr de mettre quelqu'un à la place. Et ils sont venus, donc les réceptionnistes, les concierges, pour lui dire c'est fini. C'est... Et ils ne pouvaient pas concevoir. Sa vie, c'était sa place. Et ils ont été chercher Elisabeth. Elle a vu, elle a compris. Et elle a crié, elle a lancé ce cri. Mais laissez cet homme travailler. Voyons, pourquoi vous l'embêtez? Waouh. Elle m'a dit, si je l'avais viré ce jour-là, si je lui avais dit de partir, il serait mort. Et donc, elle l'a gardé. Elle l'a gardé pas très très longtemps, parce que un jour, je suis allée boire un café avec elle, et j'ai pas vu Tamgard, il n'était pas là. Et alors j'ai dit, Elisabeth, il est où Tamgard? Elle m'a dit, il est mort. Oh, yeah. Je lui ai dit, ah, alors tu vas pouvoir te débarrasser de... Elle m'a dit, je peux pas. Je ne peux pas toucher un seul de ces objets parce qu'il est là avec moi. Il est bas. C'est lui qui lui avait offert. Et toutes les semaines, il venait avec lui un cadeau. Je vous ai apporté ça. Il attendait de voir où elle allait le mettre. Ouh là là. Et toutes les semaines. Et des fois, il lui amenait deux dates. Il lui dit, je vous trouve un peu jaune, mangez ça. Donc nous sommes dans un pays où, voilà, le roman, il faut juste se baisser pour se servir, parce que les romanciers n'ont aucun mérite. Il suffit juste de savoir écouter. Écouter l'autre. Avoir une belle plume aussi. Si vous permettez, je vais dire un petit mot à propos des objets à moitié. Oui. Comme ceux qui sont exposés. Je me réfléchis qu'un moitié, tu me casses rien au nez. Nous d'abord rien au nez. Rien au nez, mais c'est ça. Et tu as tout. Au chrétien, je vois. Moudir le bac à l'école de clou. Bac à dire. Chrétien. Oui. Mais gueule. Je fais une gueule. Tu veux aller gourger? Gueule. قال لي لا تبع لي شي واحد منهم قال لي لا ما تنبيعش بالديتاي غوسا لا باردون قال لي واش تبع لي غوسا قال لي لا غير الديتاي بيان سور بيان سور ورجع دور معاه وقال لي ويو دابا تقدر تبيع لي قال لي الا بعث لي غوسا كيفاش غنقول بالكوان بحالك؟ هذا دايرها باش C'est pas évident, voilà. Donc quand la Leïla m'a contactée pour me demander de faire la lecture de ce roman, j'avais accepté à une condition que l'on fasse la lecture de ce roman. Voilà, je voudrais juste apporter une précision. Ce n'est pas parce que je suis enseignante universitaire que, en fait, je n'ai pas fait une analyse approfondie du roman comme le ferait un critique. Donc aujourd'hui, je n'assume pas la casquette du critique. Parce que, comme l'a bien dit le dramaturge anglais, le critique, c'est quelqu'un qui connaît la route, mais qui ne sait pas conduire la voiture. Voilà. Et justement, par moment, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Si Mohamed, c'est vrai, en lisant le roman de Si Mahi, on s'est dit, mais la narration, bien l'histoire, coule de soi. Et dans un français tellement simple qu'il est donné à chacune et à chacun de nous d'écrire un roman. Ce n'est pas impossible. Mais en même temps, on se rend compte à quel point
on a beau manier la langue, il n'est pas facile de raconter une histoire ou de construire, de structurer une histoire. Justement, c'est là le génie de Simahi qui vient de dire, voilà, les gens pourraient vous donner ou bien vous offrir généreusement des histoires. Il suffit de les transformer ou de les transmuer en histoire, ce n'est pas facile. N'est pas bon conteur qui veut. Voilà, donc moi, le livre, je l'ai lu, ça fait 3 semaines que je suis en train de le lire, le relire. Je l'ai lu avec le cœur, je l'ai lu avec tous mes sens, un peu avec la raison aussi, mais je ne fais pas un travail de critique, vraiment. J'essaie d'être méthodique comme Leïla, parce que je voulais venir et parler un peu de ceci et cela, donc de pas mal d'aspects, et je risquais de me perdre un peu dans mon raisonnement. Donc je vais être méthodique et j'ai quelques impressions à partager avec vous. Donc pour moi, Rue du Pardon se donne à lire comme un conte merveilleux, on en a parlé tout à l'heure, peuplé de créatures féeriques, d'anges, de déesses, notamment Sarinia, mais aussi Hayat, Futa Sarinia, de papillons, j'emprunte ce mot à Mahirindi. Un monde fait de papillons, d'arc-en-ciel, mais aussi un monde fait de créatures laides, froides et cruelles. On pense aux sœurs jumelles, on pense au père, à la maman. Le roman raconte à la première personne, dans un schéma linéaire assez simple, l'histoire de Hayat, la vie, ou Houta Sarinia, une adolescente qui quitte une enfance difficile. Donc là, je cite Mahi Binbin. Elle parle de son enfance comme étant une enfance difficile et oppressante, au sein d'une famille dans laquelle il ne se reconnaît pas. De funestes secrets refont surface, viennent assombrir le quotidien de cette jeune fille agressée, violentée par un père incestueux, un père souvent silencieux, sombre, un macho qui semble amoindri par les soupçons d'adultère que les mauvaises langues imputent à son épouse en raison de l'apparence roumi ou l'apparence, les traits européens de Hayat. Rue du Pardon nous permet de suivre de près la mue, la métamorphose de la jeune Hayat, cette chrysalide devenue papillon, en répondant à l'appel de la liberté devenue de plus en plus lancinant grâce à la présence justement de Sarinia ou Manita. Les parents d'emprunt et les familles de substitution constituent l'un des axes majeurs autour desquels gravite l'histoire de Hayat. Donc on a la famille biologique, mais on a une famille de substitution avec les musiciens, Hadda et Tante Rosalie. On a toujours un papa de substitution, c'est grand-père. On a une maman de substitution avec Sarinia. Sarinia, cette chicha chevronnée, aguerrie, rompue au jeu de la séduction, à la fois forte et tendre, dotée d'une aura telle une véritable déesse qui sait manipuler, façonner et transporter les corps et les âmes dans des contrées interdites, remplacera la mère biologique de Hayat, une femme lâche et insignifiante. C'est Hayat qui parle de sa maman. Elle est lâche et insignifiante, une femme qui assiste quotidiennement au viol de Hayat et plus tard de la petite sœur Alia, on l'apprend à la fin du roman, par le père. Son silence complice lui vaut le mépris et plus tard, vers la fin du roman, la pitié de sa fille aînée qui trouvera en Sarinia une maman protectrice et fictive. Grand-père, cette figure masculine qu'on vient d'évoquer, une figure masculine haute en couleur, incarne la complicité, l'affection, la fragilité, la proximité, l'élégance aussi, et la douceur que Hayat n'a jamais trouvée chez son père. Il est le portier d'un prestigieux palace et de manière métaphorique, on a parlé de métaphore tout à l'heure, le détenteur de la clé du paradis. Pour moi, on est à la porte du paradis, par moments aussi une sorte de purgatoire et les personnages sont suspendus entre deux univers diamétralement opposés. Donc il est le détenteur de la clé du paradis. Il ouvre une brèche de joie et de gaieté dans la vie de la petite Hayat qu'il propulse dans un univers fait de beauté, de poésie et d'élégance. Un monde qui jure avec la laideur du cours ordinaire et insipide de sa vie de tous les jours, rue Pardon. À sa famille biologique, Hayat va substituer une famille recomposée avec Sarinia, grand-père, Zahia, la cartomancienne, Tante Rosalie, Hadda et les musiciens de la troupe, Brek, Farid et Mourad. Autant de parents protecteurs et de mentors qui vont assurer l'initiation de Hayat, la jeune artiste Chicha en devenir. Comme à l'accoutumée, Mahi Binbin met en scène
Je dirais mieux, il rend hommage, encore une fois, aux marginalisés et aux outsiders de la société. Une réhabilitation d'autant plus réussie, à mon avis, aboutit qu'elle ne tombe pas dans le piège de la folklorisation que l'on retrouve dans certains romans marocains d'expression française. Une réhabilitation des chichates qui ne cède pas à la tentation d'un angélisme naïf, qui nuirait à la cause plus qu'il ne la servirait. Les portraits croqués par le romancier, les peintres aussi, sont plus vrais que nature. Les portraits sont hauts en couleur, saisissants de vérité, authentiques. On sent bien qu'ils s'ancrent dans la réalité, la nôtre. Des Sarinia, des Farid, des Hadda, on en a tous rencontré un jour ou un autre. On en a connu, certainement. Tout porte à penser que ces personnages ont pour origine des êtres bien en chair et bien réels, ce qui rend la lecture encore plus agréable, plus captivante et les personnages encore plus attachants. La munition des descriptions, la forte présence des métaphores rend les scènes et les personnages très visuels et visibles et favorise l'immersion du lecteur dans l'univers de Sarinia et sa troupe. Lorsqu'au début du roman, la narratrice Hayat annonce son projet de relater sa vie, l'on ne peut s'empêcher de craindre un récit grave, tragique et pesant. Je cite Hayat, donc l'auteur, « Une drôle d'histoire que la mienne, improbable et tragique, comme le sont souvent les histoires du chimie. » Fin de citation. Or, cette phrase, en apparence programmatique, puisqu'elle annonce en quelque sorte l'intention de l'auteur, mais si je n'ai pas parlé d'intentionnalité chez, chez un romancier, cette phrase programmatique dévoile d'emblée la facture générale du récit ou le ton du récit. Celui-ci, séduit par son savant dosage d'humour, on a parlé d'humour, d'ironie, de satire, mais aussi un ton sérieux. Donc il y a un savant dosage d'humour bienveillant, un humour qui, à travers les situations cocasses, essaimés ça et là, d'un bout à l'autre du roman, vient tempérer l'aspect grave et tragique de la vie de Hayat. Avec cet hommage, Mahibin Bin réhabilite la profession et réhabilite la figure de la Shikha. Le royaume de la nuit, tel qu'il est dépeint par le romancier, ne recèle pas toujours des créatures viles, lubriques et dévergondées qui se vautrent dans la trahison, les coups bas et la mesquinerie. La troupe de Sarinia, hormis les jumelles qui, jalouses de Hayat, vont l'empoisonner et provoquer ainsi le chagrin mortel de leur génitrice, Sarinia. La troupe de Sarinia est une vraie fratrie où règnent la loyauté, la solidarité et la complicité. Ceci rend d'autant plus criante et évidente la duplicité, l'hypocrisie de la société qui est la nôtre. Cette société bien pensante, aujourd'hui bigote, ou ce que Mahedine Bin appelle les vendusards, qui condamne l'art et les artistes, les chanteurs notamment et les chichates, mais qui n'hésite pas à fréquenter les chichates clandestinement en vue d'assouvir les fantasmes les plus lubriques et les plus extravagants. Cette réhabilitation passe également par la nature des discours et des principes défendus par Sarinia. Il y a des passages très très beaux dans le roman où ce n'est plus Sarinia qui parle, c'est l'artiste Mahibin Bin qui défend la liberté du discours et la posture. Le seul discours qui soit libre dans notre société est le discours de l'artiste. Donc il y a des valeurs et des discours et des principes défendus par Sarinia qu'elle va inculquer à Hayat, son double, au point de dire, je cite, « Elle glissait, c'est Hayat qui parle de Sarinia, elle glissait dans mon corps qu'elle déliait, ballottait en tous sens, qu'elle délivrait de la pesanteur et emportait dans le ciel, sa voix éraillée jaillissait de ma gorge, épouser les trémolos du violon, comme si on assistait à une interpénétration, le corps de l'une dans le corps de l'autre. » Moi, j'ai lu Rue du Pardon comme un roman-poème. Voilà, il y a une forte dimension poétique. Le langage était mon mot. Un langage poétique qui regorge de métaphores renvoyant à la notion de la hauteur. Et je n'ai pas fait le travail du critique, j'aurais aimé le faire. Tout ce champ lexical qui renvoie à l'idée de la légèreté aérienne et de la hauteur. Les anges, il y a des mots comme le ciel qui revient plusieurs fois, les anges, les étoiles, la déesse, élévation, liberté, évanouissement, les djinns. L'auteur extrait ces personnages de Chirac des bas-fonds, de la boue, de la fange, où les contents de la société qui est la nôtre. Il leur assigne désormais une place au ciel. Et Sarinia, avant de mourir, avait bien confié aux
protectrice, les deux, Hadda et Rosalie, elle leur dit à propos de Hayat, les étoiles ne peuvent vivre que dans l'immensité du ciel. Souvent stigmatisées, marginalisées et mal vues, ces êtres côtoient, dans le roman de Mahi Binbin, côtoient les étoiles, au firmament. Ces personnages narguent les anges dans les sphères supérieures, naguère réservées aux anges, aux dieux et aux êtres dociles et soumis. Ce roman est un poème, c'est un hymne à la liberté, c'est une leçon de force et de courage, une incitation à l'émancipation, toute forme d'émancipation, une émancipation généralisée des corps, des esprits, des femmes, de et par l'art, la transcendance de la médiocrité, l'hypocrisie, la transcendance de la violence dans toutes ses déclinaisons, la transcendance de la platitude, de l'imposture, la duplicité, les tabous, les interdits, les mensonges, la frustration, la privation imposée par les dogmes et les diktats de tout genre, qu'ils soient religieux, politiques, économiques, sociaux, combien lourds aujourd'hui dans notre société. Et justement, je pense que le roman de Mahi Binbin tombe à point nommé. La conjoncture actuelle au Maroc fait froid dans le dos. Seule la voix de l'artiste, la seule voix libre, par opposition à la voix du religieux qui n'est pas libre, du politicien qui n'est pas libre, la voix du journaliste qui n'est pas libre, seule la voix de l'artiste libre peut montrer la voie de l'émancipation et de l'affranchissement. Voilà. Bravo, madame. Excellent. Merci, Hanan, merci. Et est-ce qu'on peut passer Là, on a quand même l'occasion, de voir à l'œuvre, s'il vous plaît, un texte écrit par un auteur. Le style y est, tout y est, tout est dit par Hanan. Nous avons un lecteur qui a quand même décortiqué quelque part même les intentions de l'auteur. Et je ne sais pas si l'auteur, quand même, ce qu'il disait tout à l'heure à propos donc de l'université, parce que Hanan est universitaire. Oui. Et s'il est d'accord avec sa lecture ou pas, parce que finalement, en lisant le texte et en écoutant Hanan, bah c'est le diapason quand même de la compréhension, c'est pas la peine de chercher plus loin. On a compris. Et on a terminé tout simplement en disant que l'auteur, quel qu'il soit, Mahi Binbin ou autre, pourvu qu'il mérite le titre de d'artiste, pour qu'il soit quand même élevé au-dessus de la mêlée et dénoncé avec un langage extraordinaire. Et j'ai relevé quelque part dans une page, lorsqu'il parlait, juste un mot donc, que j'ai analysé, j'espère avoir quand même touché le fond. Est-ce que c'est l'ironie? Est-ce que c'est l'euphémisme? Et est-ce que la réhabilitation? Parce qu'un mot utilisé par un auteur, c'est pas n'importe quel mot. C'est un tableau quelque part qu'on voit ici. Et ça mérite quand même une analyse. Et c'est pas le seul. Énormément de termes, beaucoup de mots, méritent quand même qu'on reste quand même un peu de temps. Lui, il écrit, il s'amuse. Moi, je dis, mais il s'amuse. Mais en s'amusant, mais il remue des choses quand même assez lourdes, lourdes de conséquences. L'artiste qui s'élève pour regarder, ben ça me fait penser à l'albatros de Baudelaire, quelque part. C'est la souffrance qui lui fait parler donc de tous ces problèmes, n'est-ce pas, quand on, cette hypocrisie dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. J'aurais aimé faire tout simplement donc une intervention beaucoup plus technique. Parce qu'il y a un côté technique qui nous interpelle dans le texte. Absolument. Mahi Binbin, en écrivant son texte, il pensait à un récepteur et penser à un lecteur spécifique, qu'il nous dise lequel. Et quelles sont les intentions de l'auteur? Parce que donc il y a un message, la conjoncture l'a imposé, mais le texte, avant la conjoncture, ben c'était ça le discours. S'il vous plaît, arrêtons d'être hypocrites. Ces hommes, ils sont à la mosquée, mais quand il s'agit quand même d'une fête de mariage, ils sont en train tout simplement d'entrer dans le chir. Nous sommes dans une hypocrisie, j'allais dire, congénitale. J'ai envie de parler en ces termes, et c'est vrai, quelque part. Peut-être on va égayer encore le débat, donc on va encore alimenter le débat en écoutant
cher ami, c'est Cédric Page, un romancier lui-même. Donc, on aura l'occasion certainement de l'accueillir un jour. Oui, bien sûr. Vous l'avez accueilli ? Hein ? Pas encore. Là, mazal ma khsoum yerdaw bina, hna dabra yerdaw bina kan. Est-ce que inchallah c'est ça. Je suis commissaire d'un salon en Hollande la semaine prochaine, 10 jours. Et donc je l'ai invité. Ah non. Bah oui. Et à côté vous avez quelqu'un d'autre ? 8 auteurs marocains. Hein ? Et voilà. Et à côté vous avez si Younes Enjaray. Quand M. Jamal Dieu m'a contacté pour me parler de votre salon et principalement de Mahri, j'ai vraiment senti une joie parce que je vais parler d'un homme que je connais très bien et d'un écrivain que j'aime beaucoup. Un écrivain que j'aime, que j'ai lu en entier. Et je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée avec Mahri chez M. Bin Chaben une fois. Et il a organisé un salon littéraire et puis il nous a invités, Mahri, d'autres écrivains et moi. Et Mahri était en train de parler de ses romans. Et à chaque fois, elle place le personnage dans un roman, dans un titre. Et moi, je lui corrige le titre. Je lui dis, c'est pas dans ce roman, c'est dans le roman. Et puis, il a commencé, c'est 4 ou 5 fois, il a arrêté de parler. Et puis, il s'est retourné pour me dire, mais tu connais mes romans plus que moi. Effectivement, je connais ses romans plus que lui. Parce que, oui, bien sûr, parce que lui, dès qu'il finit de tout dire, voilà, son livre, il sent les tâches complètement. D'ailleurs, il. Et puis, j'ai écrit plusieurs articles, c'est-à-dire, dès que Mahri sort un livre, l'envie me prend d'écrire quelque chose sur ce livre-là. Pas quelque chose de critique, je ne suis pas universitaire comme mes amis, je n'ai pas cette plume de critique, mais je me fie à mes impressions personnelles. C'est-à-dire, ce que je vais vous lire a été déjà publié dans le journal Libération, juste après la sortie du livre, et ce sont mes impressions personnelles. Et l'objectif était de donner l'envie à ceux qui n'ont pas encore lu le roman. C'est-à-dire que je n'ai rien apporté à ceux qui l'ont déjà lu, mais c'est peut-être une incitation à lire pour ceux qui n'ont pas encore lu. Le titre était, ou c'est toujours, La fragilité de la vie dans Rue de Pardon. Rue de Pardon est le dernier roman de Mahri Boubi, sorti récemment, avril 2019, conjointement chez les éditions Le Finec au Maroc et les éditions Stock en France, un roman superbement écrit. Donc je rejoins ce qui est dit. Moulaste, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on n'a pas de micro, malheureusement, j'ai oublié. Et puis il y a beaucoup de gens qui. Peut-être que c'est le vaccin, non ? Donc un roman superbement écrit. Les frontières entre poésie et prose se trouvent complètement abolies. Donc c'est exactement ce que Mme Hanna vient de dire. On passe d'un genre à l'autre sans s'en rendre compte. Emporté par les mots comme sur un tapis volant. Loin de s'intéresser seulement à l'histoire, l'écrivain accorde une grande importance au style, choisissant ainsi d'envelopper la douleur des événements dans la douceur des mots. Elle refuse de nous raconter cette histoire à la manière des grandes-mères, dont le souci premier est de faire avancer les récits en enchaînant les événements. C'est vrai que le texte est linéaire, avec quelques petits retours en arrière. Cependant, les poses narratives taillent la part du lien et permettent à l'écrivain d'exposer son talent, son art de faire d'un rien une œuvre d'art. Ce petit extrait en dit long. À l'extrait de l'œuvre. Depuis toute petite, j'ai su décoder le langage des anges. C'est pourquoi j'ai pu accéder par mes propres moyens au pays des rêves et des papillons. Un pays enchanteur et enchanté, fait d'étincelles, de frissons, de fossettes rieuses et de couleurs de l'arc-en-ciel. Face à la rideur sèche et austère des miens, j'y ai trouvé la grâce et la rondeur, la danse et la volupté. L'élégance fragile, la finesse et la subtilité des êtres qui avancent sur la pointe des pieds. La rébellion. L'histoire commence quand Hayat découvre que son aspect physique, différent de celui de ses parents,
engendre à sa mère des soupçons dans son entourage. Une éventuelle relation avec un Romain de passage ou autre escapade en dehors de la cellule conjugale, dans l'incapacité d'affronter le monde et de pouvoir et de prouver son innocence, la pauvre mère déverse sa rancœur sur la fille en la maltraitant. Le père ne constitue plus un refuge. Sa violence et ses intentions malsaines établissent une relation de haine entre lui et sa fille qui dit dans un passage, je cite toujours Marie, « Je n'aimais pas mon père. Je ne mets pas le sang de ses yeux quand la colère s'en emparait. Ce n'était pas tous les coups qui m'effrayaient, mais le reste, je haïssais l'obscurité de sa chambre, son haleine, sa barbe piquante, ses mains monstrueuses, et le reste, tout le reste. » Alors, c'est la raison qui pousse Hayet à trouver refuge auprès de Sarinia, une voisine qui habite la rue du Pardon, et qui gagne sa vie en travaillant dans des cérémonies familiales comme Shira. Huda, comme elle plaît à l'entourage d'appeler Hayet, assiste fascinée de temps à autre à ce passage de Mamita, d'une femme ordinaire dans la vie de tous les jours, à une diva au corps moulu dans des vêtements qui la métamorphose complètement. Sa manière d'enflammer son public et sa forte personnalité ont renforcé l'enchantement de la petite au point de choisir d'élire domicile chez elle. Cependant, l'amour et la tendresse dont la chanteuse entoure sa protégée vont susciter la jalousie de ses propres filles, Aïda et Samia, jusqu'à commettre l'irréparable. La rue du Pardon est le microcosme des bas-fonds de la société marocaine. C'est un monde où les petits s'entretuent, où les misérables se jalousent et se blessent en laissant les grands jouir de leur repos éternel. Dans ce roman, la pauvreté infecte les relations humaines. Les parents de la jeune Hayet ne jouent plus le rôle de protecteur et deviennent source de danger. Les filles de Sarinia ne pensent plus à leur mère, la jalousie des aveugles, les rendant égoïstes et sans pitié. Par ailleurs, certains éclaircies égayent des passages, faisant de ce roman un ciel noir mais bien étoilé. La présence de grand-père en est un illustre exemple, Monsieur Omar, le portier d'un grand palace, et qui était pour longtemps le mari de Mamita, introduit dans le texte une certaine béatitude. Sa relation avec Hayet est sans caractère, d'où font oublier les difficultés des habitants de cette rue qui jouxte la fameuse place de Jemaa el Fna. Le nouvel opus de Marie Bindine ne déroge pas à sa ligne d'écriture. L'écrivain de Pollen reste fidèle à sa philosophie de défendre les gens de peu, d'être le porte-parole de ceux qui n'ont pas de parole. Depuis Le sommeil de l'esclave, son premier roman qui parle des souffrances d'une bonne de couleur noire, en passant par Cannibal qui traite du sujet des clandestins, en arrivant aux étoiles des Soudimons et l'écrivain de Fierre-Aguilé, mène un combat sans merci contre les injustices et les maladresses d'une société en apparence correcte. Les cris de Marie se font entendre dans sa peinture aussi. Elle dessine généralement des corps humains en souffrance, des hommes écrasés par le poids de la terre, slash la vie, des bustes pliés, des jambes fléchies, des dos courbés, des têtes fracassées, des visages dans les visages. Ceux qui connaissent Marie, on le connaît tous maintenant, remarquent facilement qu'elle ne se départit pas des vêtements de couleur noire. Elle porte le deuil en attendant les jours meilleurs. Merci Cédric, merci professeur. En toute sincérité, c'est un roman que j'ai lu en une journée. C'est facile à lire. Tout le monde qui a C'est un conte, c'est un exploit. Pourquoi un exploit? Par des termes simples, compréhensibles. À part quelques-uns où il faut ouvrir le dictionnaire, le reste décrit notre société, décrit le quartier de la Médina. Drebelafou, comme disait Mohamed Sahani, Drebelafou, qui en même temps de l'autre côté de Aslaj, s'appelle Hasl Moussa. Et on sait à quoi ça nous renvoie. Voilà. Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que je retrouvais des noms de personnes habituelles.
sauf un que je n'ai pas saisi. Il m'a fallu attendre, j'allais dire, le dernier chapitre, la page 60. Tante Rosalie, elle me dit, qu'est-ce qu'elle fait cette chrétienne parmi les Marocains de l'Algérie? Et c'est à la fin que j'ai compris, c'est Khadija Rosalie. Khadija Rosalie. Voilà tout simplement. Il faut nous connaître pour savoir voilà, que c'était Khadija Rosalie. Et donc ça, c'est encore, j'allais dire, la magie de l'artiste qui joue. Voilà, et qui utilise des choses. Il se donne la liberté de nous transporter où il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a une page que je voudrais juste vous souligner, qui est 23 ou 24. Quand Hayat est en train de décrire son amour pour ce père adoptif, qui est grand-père, qui est le général, qui est Roma, qui est le portier, hein, qui est doux, au point que Madame Lamant, encore un jeu de mots, amène le petit chien de la patronne qui, par amour, se faire une cure de jouvence. Ça aussi, c'est quand même. Il faut être un vrai artiste. Ce n'est pas qui veut, qui veut, qui veut. Et donc, on se retrouve avec la caniche, Pipo, le chien. Et il y a une image où le grand-père arrive dans Dreblefou, tenant la caniche parce qu'il ne veut pas que le chien de Madame Lamant se blesse les pattes en marchant dans les rues de la Médina, et porte Hayat dans l'autre bras. Et nous voyons cette belle image du général traversant Dreblefou contre cette engeance qui est là à montrer la, j'allais dire, le côté obscur et la bestialité humaine, parce qu'il est dans des conditions sociales, économiques et culturelles absolument catastrophiques. À aucun moment dans ce livre, on ne parle d'école. On parle d'une cible, de mosquée, de quoi que ce soit. Il n'y a aucune référence à la culture. Mais cette Hayat, et grâce à la force de l'artiste, il va nous l'amener une ou deux fois au palace, où monsieur le grand-père est portier. Et là, on se retrouve au paradis. Et là, on se retrouve dans la musique adoucie. La piscine, le ciel, les arbres, le service, les gens qui écoutent de la musique ou qui parlent tranquillement. C'est quand même des contrastes par rapport à cette ruelle où la misère est omniprésente. Premier point. Le deuxième point, c'est que Sarinir, Chihao, Sarinir, dit, après quelques vers de Mahia, le soir, il devient philosophe. Et il lui dit, ma fille, Omar fait partie de cette race des personnes qui ont longtemps marché sur les voies de la perfection. En italien, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose, tout ça. Et puis, tout de suite, en 10 lignes, il vous fait le contraste entre la lumière et l'obscurité. On est dans Faust. On est vraiment dans Faust. La poussière et puis le ciel, comme tu l'as si bien dit, le firmament, les étoiles, le papillon, l'arc-en-ciel. Et à la fin, à un moment donné, quand Hayat, le Houta, est devenu partie intégrante de la troupe. Et comment il lui montre, comment il lui apprend, quand est-ce qu'il faut rentrer sur scène, regarde derrière le rideau, comment on appelle ça, le public, pour pouvoir rentrer au bon moment. On peut dire que Sarinia est maître de la cérémonie. Il sait comment faire, comment manipuler le public. Et il y a une coupure. Une coupure, nous allons apprendre que ça va durer 10 ans, s'il vous plaît. Une demi-page blanche, vous avez 10 ans qui sont partis. Et madame se retrouve dans un petit village du côté de Casablanca. On se demande pourquoi.
D'ailleurs, quand qu'est-ce on qui s'est passé, pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et comme il va devenir, il va refaire, j'allais dire, une autre troupe. Une autre troupe. C'est-à-dire que finalement, il a un projet de société. De comment de carrière. Bien sûr, je pense que sincèrement. Une société joyeuse. Cette jeune fille qui était abandonnée, maltraitée, mal aimée, après 10 ans de coupure et de noirceur totale, intoxiquée. Hein, et se retrouve à refaire le truc avec le Mahdi, Cheikh Mahdi, qui va quand même, c'est un ancien, il a quand même du métier, ils vont reconstituer, et en plein Casablanca, cette nouvelle troupe autour de Hayat va devenir la star des Cheikhs. Et bien sûr, il va gagner beaucoup d'argent. Il va arriver, les grandes portes vont s'ouvrir quand il est invité au Palais Royal. Et là, il y a une trois mots. Dans notre pays, quand le roi aime, ses sujets adorent. Yalla, s'il vous plaît. Très fort. Alors très fort. Et donc, cette Hayat va acheter une grande villa sur la corniche de Casablanca, Ain Diab. Et bien sûr, Hadda et Khatir Zali. Hadda et Khatir Zali qui ont passé quand même 10 ans à la surveillance. Non, de fidélité, de soin, de. C'est quand même quelque chose, ça. C'est une générosité. Et c'est quoi cette générosité? Parce que Sarinia leur avait, j'allais dire, demandé de veiller à la petite en leur confiant une petite boîte, un petit coffret. Et nous voilà partis à Soura faire une belle balade. Il n'y a que l'artiste pour faire ça, sincèrement. Il n'y a que l'artiste. Je termine. Elle se balade sur la corniche, Ain Diab. Et bien sûr, Hadda et Khatir Zali se mettent sur le banc parce qu'elles refusent d'aller sur la terrasse d'un café. C'est mal vu. Et au moment où il va allumer sa cigarette, il dit, mais non, qu'est-ce que c'est? On n'allume pas sa cigarette dans le public, dans la rue. Donc, il y a des valeurs chez cette pauvre petite femme. Même si c'est pas bien, il y a des valeurs. Même quelque chose. Et à la fin, et ne voulait pas revenir à Marrakech. C'était tellement douloureux pour elle de revenir à Marrakech. Mais il y a eu un cheikh du Khalij qui habitait à Marrakech qui l'a dit pour animer sa soirée. Et donc il y a de l'argent sur la table. Il dit, allez, bon, pourquoi pas, on ne va pas cracher sur cet argent, même s'il vient du Golfe, on va y aller. Et le premier passage à Marrakech, il va aller sur les tombes du père, du grand-père, du grand-père et de Sardinie, qui par hasard ne sont pas loin l'un de l'autre. C'est quand même ça l'artiste lui qui travaille. C'est fabuleux. Et il rentre à Dreblefou. Et il va où? Il va à la maison. À la maison des parents. Il va faire son pèlerinage à ses halles. Il va à la maison, il rentre, et qu'est-ce qu'il voit? Sa mère vieillit, avec une mèche blanchie, en train de faire ses ablutions. Cette mère ne parle jamais dans le lit. Après, il faut laisser les gens dire la parole. Et après, il n'y a pas de mèche. Elle va rentrer dans le coupa où elle subissait les tortures de ce père biologique. Et elle retrouve la petite fille, sa sœur, et dans la même prend, situation. Elle l'arrache des bras de ce père violent, et il le regarde dans les yeux, et il met son front sur son front, et lui balance un doigt d'honneur sous le menton. Elle est là.
pas forcément d'honneur, soit d'honneur. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Je me baissais, collais mon front au sien en relevant du pouce son menton. Sérieusement, avec Hanesh, parce que comment elle a rompu avec ce père incestueux? Elle lui avait coupé un doigt. Dans, c'est dingue. Normalement, la main, c'est quoi? C'est le respect, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Et lui a mordu le doigt, il lui a arraché le doigt. Elle a coupé tout lien de respect à ce père-là. Elle va sortir dans la rue et c'est Sarrina qui va la récupérer. Sincèrement, Alors, allez, sur Abaïa, j'ai été présente, c'est moi qui l'ai emmenée. Elle est rentrée, c'était la belle soirée, et puis j'appelle Mahi, je dis Mahi, on va tous aller en prison. Kagaliège qui est sortie, quand elle est rentrée au palais, la première chanson, toutes les chansons étaient destinées à Mahi. Mais j'ai dit, attends, là, il l'a raqué dans le zinni lio. Merci, là. Alors, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Bon, merci, Mahi. Bien sûr, Maradish me dit bizarre. Ce qu'on dit les professeurs avant moi, c'est très très bien. Mahi, Allah, Allah, ma fait des douloureux liens avec les gens. Mahi, Allah, t'as ma fait des douloureux liens avec les écrivains. Ma tchouche, ma tchouche. Ah, vous m'avez négligé. Ma tchouche. Oui, c'est un très beau roman, facile à lire. Il est captivant. Moi, je l'ai lu en 3 heures. Quand je l'ai pris, Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord. Je vais juste revenir sur le mot Rosalie. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est la juive marocaine. Quand j'ai vu Romane. Rachel, c'est ma Rosalie. Pour moi, c'est la juive marocaine. C'est le quartier. Oui, comme c'est le quartier. Absolument. Absolument. Pour moi, et comme lorsqu'on était petit, on avait des voisines juives, on les appelait tante, Khalti. Donc, pour moi, c'est la relation musulman-juive pour moi. Donc, quand j'ai lu à la fin. Moi, donc, c'est comme ça que moi, j'ai interprété le mot Rosalie. Pour moi, c'est une juive marocaine, donc c'est la relation juif-musulman, comment à l'époque vivait, on vivait en harmonie. Voilà, c'est comme ça, c'est juste. Bon, Anna, ce que j'ai retenu du livre, je l'ai lu facilement. Moi aussi, j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec les mots, mais je n'ai pas regardé le dictionnaire. C'était très compréhensible. Oui. Donc pour moi, c'était d'abord une description de la société marocaine à l'époque. Donc les infrastructures de services de base, pas d'école, pas de les transports publics, les sadisérés. Là, il souffrait pour voyager, il a parlé, il ne supportait pas les bus ou les cars pour aller à Casa. Il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, après sa maladie, quand il a été tombé malade, c'est juste des marabouts, on l'a promené. Donc, voilà la situation. La relation complexe humaine, donc il y a les bons et les méchants, il y a les extrêmes. Ces relations sont très complexes. Il y a les vipères, les deux jumelles qui je ne sais pas, c'est des monstres qui ont allé jusqu'à la tuer, jusqu'à l'empoisonner. Il y a la dame, la mamie, il y a le général. Donc c'est ces relations qui ne sont pas normales. Des relations de voisinage, elles sont très complexes. Et là, je termine par une petite anecdote. Et les relations des Marocains qui sont extrêmes.
j'étais au Canada et mon fils habitait en bas, même immeuble. Et chaque fois que je viens, chaque fois que je le visite, je trouve qu'il a beaucoup d'amis, mais que de Marocains. Il y a des Brésiliens, des Africains, des Mexicains, des Américains. Et je lui dis, mon fils, c'est quoi ça? Il m'a dit, papa, ça me suffit, c'est deux Marocains. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, ses amis, ils vont pas se sacrifier pour moi, mais ils vont pas me faire du mal. Alors que les Marocains, ils peuvent se sacrifier pour toi comme ils peuvent te faire du mal. Donc ces deux-là, je les connais. Et les autres, je m'amuse avec eux, mais j'attends rien d'eux. Donc, faites des relations. Regarde, la fille, 10 ans, la dame, sa tante, dit, il a sacrifié 10 ans de sa vie avec Hadda pour prendre soin. Mais ça, c'est. C'est chez nous. C'est chez nous. Et comme les deux jumelles qui ont empoisonné, c'est de chez nous aussi. Merci. Alors, il a son propre rythme intérieur. Et avant de parler de ça, je voudrais évoquer une chose dont vous avez parlé beaucoup. C'était le livre, en gros, parle de cette hypocrisie sociale, le statut de l'artiste. Admirer, jalouser, rejeter, etc. Et je crois que, quelque part dans le livre, pour Sadrinia, pour ces femmes artistes, le plus insupportable, c'est le regard des autres femmes. Comment ils se voient dans le regard des autres femmes. Et Sadrinia va très tôt, au début de l'initiation de Hayat, va quand même la prévenir. Et il lui dit, quelque part, je crois, dans la page 18 ou 19, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, ce passage de Céline dit ceci. Regarde ma fille, regarde ces femmes qui dansent et sont si heureuses. Je ne vois ni mère, ni tante, ni sœur, ni cousine. Ils sont toutes des amantes. Tu vois, j'ai le pouvoir de les faire sortir à un moment de leur petite vie et d'en faire d'éblouissantes dulcinées. Même si, dans mon dos, ces garces me traitent de putain. Et c'est beaucoup plus insupportable quand ça vient de la gente féminine pour cette artiste. À propos du rythme du livre, c'est vrai que j'ai entendu à deux, trois reprises que c'est un livre, que c'est une écriture linéaire, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est une écriture avec un rythme et des rebondissements, avec même un moment qui vous prend à la gorge. C'est un livre que je peux comparer à quelque chose dans la musique occidentale qu'on appelle des concertos de l'époque baroque. Ça commence comme un baroque avec un rythme de la vie de tous les jours dans ce quartier, avec tous ces atours. Et puis, à un moment, au bout de la description de la divine et tout, à un moment, on va dire, de... Comment on appelle ça en musique? On appelle ça un moderato. Voilà. Et ensuite, arrive un moment, très presto, c'est le chapitre 10, qui annonce le drame et le silence de 10 ans. Et tout ça résumé en quelques lignes, on voit la force et on devine fil des lignes, des premières lignes de ce chapitre, ce qui se passe, et on est pris à la gorge et on a envie d'en savoir plus. Et j'ai trouvé ce moment où le lecteur est quasiment pris en otage par « on ne rit plus ». C'est fini de « on rit » au début, puis là c'est sérieux, il y a quelque chose qui va se passer, et l'auteur nous prépare à ce moment à vivre ce drame résumé de 10 ans d'ailleurs, enfin, c'est beaucoup dans la vie de n'importe quelle personne. C'est des 10 ans perdus et il les a donnés comme... c'est très poignant ce passage, le chapitre 10, moi je l'ai trouvé très, très poignant. Il y a quelque chose, Leïla, que tu as dit à propos de l'écriture de Binbin, de Mahi, dans ce livre. Moi je l'ai remarqué déjà dans le Fou du Roi. C'est vrai qu'il y a chez lui, et je ne sais pas pourquoi, il va peut-être me l'expliquer parce que je vais rester sur ma faim, il y a une espèce de pudeur. Et tout est dit avec pudeur, l'inceste est juste évoqué, mais cette main baladeuse dans le soutien-gorge des filles, etc.
Et alors qu'on parle de la vie du Shihat, et chacun connaît la langue du Shihat, la langue de tous les jours est une langue, c'est quand même du pain nu, c'est une langue crue, c'est une langue vulgaire entre guillemets, mais c'est une langue crue, c'est cru, et alors que dans le livre, les mots mis dans la voix des protagonistes sont beaucoup plus lisses, sont beaucoup... Alors, Marie, en faisant cela, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu voulais aménager tes lectrices, c'est quoi? Parce que c'est un point, et je vois que tu te... Parce qu'on s'est dit, la première fois j'étais avec Taïr, et il y avait deux autres auteurs, ils ont assassiné le premier, ils ont assassiné le deuxième, et Taïr m'a dit... Marie, je ne sais pas à quel harissa on va être mangé. Et là, on est eu pour rire tous les deux. Donc, ils ne nous ont pas assassinés pour le fou du roi et pour le jour du roi, je crois que. Alors, les quatre, c'est une émission qu'on peut écouter, ont trouvé le livre insoutenable. Avec cette pudeur, avec. En ne racontant pas l'inceste. Parce que moi je déteste exhiber, cracher les trucs. Ça ne sert à rien. Je préfère faire sentir l'angoisse de la petite suggérée. La suggestion, on est dans la suggestion. Et j'ai l'impression que c'est plus fort que ce que tu racontes. Vraiment. Quand on amène le lecteur à presque ressentir l'angoisse de la petite fille, c'est beaucoup mieux que de dire « il m'a roulé un patin ». Ça a plus de force. Donc, ils ont trouvé le livre insoutenable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est une lecture possible, c'est-à-dire en Europe, de temps en temps, on veut une littérature aseptisée, un peu... Voilà. C'est-à-dire, et donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Chouïa. J'ai évoqué comme ça cette question d'inceste. C'est pas ça qui me... C'est un milieu qui a son propre langage. Et il utilise des mots, il les choisit. Nous avons tous passé quelques temps avec... C'est-à-dire Grivois et Sacré, sont s'interprètent. C'est la même chose, et ça passe. Et moi, je trouve ça formidable, d'ailleurs. C'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que... C'est pour ça qu'on se bagarre et qu'il faut signer cette pétition. Il y a la pétition. Elle va prendre des questions. Qui veut poser des questions? Qui veut intervenir? J'en avais posé une. Ah oui, Georges. À qui s'adresse? Ah oui, le lecteur. Je connais ton lecteur préféré. Surtout pas un français, donc ça c'est... Même si c'est écrit en français. Mais je ne crois pas qu'on cible un lecteur. Mais la vérité, je ne cible pas. Oustada, qu'est-ce que vous dites? Je ne cible pas. Là, le livre, il est traduit déjà en 5 langues. Alors, je vais avoir un gars de grec, un gars d'Espagne, un gars d'Allemagne. Je pense pas possible, vraiment. Un marocain. Oui, c'est ça. En termes d'appréhension du texte, en termes aussi de compréhension, ne serait-ce qu'un certain degré. Je ne sais pas si un grec, ou un américain, ou un canadien, pour donner cette épaisseur universaliste au texte, comprendrait le grec, parce qu'il est oriental, un langage au-dessus de la ceinture, traduisez, hein. Et puis le pointeur, qui va nous expliquer le pointeur, parce que lui... Mais je l'explique, on le comprend, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, mais si, voilà. Non, mais c'est ça. Là, par contre, excusez-moi, cette expression marocaine. La Khadija. Mais oui, il y a un exemple, par exemple. Quand je suis à Kersa, on n'a pas eu bien. Mais j'ai appris ça. C'est universel, ça. J'ai appris ça. C'est vrai qu'il y a des expressions comme ça. Merci.
Ce que j'ai senti par rapport aux interventions des gens, donc le lecteur peut-être que vous avez ciblé, ce que j'ai senti, c'est en premier les purs marakchi, parce que j'ai vu un certain excitement, les gens qui sont marakchi, qui savent les rues, les mots exacts, donc ils sont passionnés de lire. Avec un certain, une certaine motivation. Certes, les autres, les Marocains, ils ont un bagage linguistique qui a une référence marocaine, purement marocaine. Donc, ce qu'on dit, les Marocains, ils vont trouver plus le plaisir de le lire, puisque généralement, on trouve ces histoires. Dans les médinas, les mellah, les derbes, le département d'Angleterre. Voilà, donc ce que j'ai entendu, je sens comme le prof Hanan a dit que on sent qu'on a des histoires en tête qu'on pourra même traduire en écriture, puisque c'est plutôt proche, mais peut-être on a pas cet art d'être convaincant. Alors, la Khadija, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Quand on a lu l'œuvre de chinoise, là, Le chinois. Le chinois. Brothers. Ça nous... Mais ça ne pas là. Parce que Brothers, c'était vraiment le pain de la Chine. C'était pas à nous qui s'adressait pourtant. Exactement. On l'a décortiqué. Exactement. On a adoré. Et c'était chinois. Donc, c'était pas, oui, rien à voir avec notre pays. Il va de soi que. Ça, c'est un vieux débat. C'est-à-dire, il va de soi que. Du local, tu fais l'universel, c'est évidemment. Tu sens de solitude dans un patelin en Colombie, et tu es l'humanité. Et donc, nous, il y en a marre que ce soit Tolstoï qui raconte la Russie. Eh ben nous, on a envie de raconter chez nous. On a notre façon. Je suis curieuse de savoir si vous avez quelque chose que vous n'avez pas écrit. C'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas écrit dans le livre et que vous vous êtes dit, je devais rajouter ça. C'est-à-dire, il y a eu un débat avec l'éditeur quand j'ai envoyé le livre sur la période de 10 ans. C'était un peu risqué. Et l'éditeur me dit, on peut le jouer, mais on ne peut pas le jouer. Parce que ça peut être pris correctement, mais ça peut être une facilité. Et j'ai insisté pour garder parce que elle était dingue, elle n'a pas vu ses 10 ans, et donc elle c'est un trou noir. Et un trou noir, je ne m'étends. J'essaye de raconter un peu, parce qu'il l'a attaché au lit, j'essaye de raconter un peu, mais je n'ai pas voulu, ça a été délibéré, et l'éditeur m'a dit c'est risqué, mais on a pris le risque. Tu sais qu'elle nous l'a dit hier. Je l'ai relevé, je disais, là, pourquoi est-ce qu'il est... 4 minutes. Bon, il y a une phrase qui est extraordinaire. Chut, s'il livre, vous plaît. Qui ouais. dit un petit peu à peu près. Je pense que la narratrice qui pose la question, ce que c'était la mémoire, elle lui dit c'est ouvrir les tiroirs, laisser échapper un parfum, une couleur, une émotion. Mais je pense votre livre, c'est aussi c'est un travail sur le mémoire. Mais quand on ouvre, c'est extraordinaire. Et sur un cœur, regardez. Oh mon Dieu. Oh là là, qui a fait tout ça? C'est Imen. Les gars, c'est sur Oh mon Dieu.
n'a pas vu le gâteau. J'ai pas vu ça. Oui. Tu prends l'anniversaire, ça fait un mois. C'est toujours bon. On n'était pas là. On est encore. Vous voulez qu'on attrape? Waouh! Non, je veux le donner à personne, c'est fini! C'est fou. Et j'ai mis des lettres. Je vais te prendre mon photo. Mais ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Il arrive. Yes. Donc tu es. Donc tu. Wahab Khasma. Je dois m'excuser. Oh là là. Good afternoon, everybody. I dedicate this surprise and this joyful moment. Good evening, everybody. I dedicate this surprise and excellent moment to our adorable professor. And she is actually something more than our professor, our second mother, our everything. So I'm so happy to be with you all. And we want to tell her that we love her so much. Yes, I want. I dedicate this moment of joy to my ineffable professor, because you're quite an inspiration for us all, and you are beyond magnificent. And what you're doing for us is very. I don't believe that we have the enough worth to be very close to you in such way, because we try to be as much as the best we can be for you, and to contribute to add more value to this gathering, this literary gathering that will try to improve us as people and our intellectualism in the way we conceive the world. So you are. I perceive you as a miraculous person and someone who enlightens the life and the life of all your students, and everybody here knows how much of a worthy and a great person that you are, and one of the best professors that I've ever had, if not the best. Whoa! So I thank you. Moi, je vais y aller en français. S'il vous plaît. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que c'est d'une grande valeur. Donc pour nous qui arrivons au Maroc, donc qui sommes étrangers, nous découvrons la culture marocaine sur différentes angles. Et découvrir par vous la bonté de cette contrée, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et par votre intermédiaire, je tiens à dire que je suis tombé amoureux du Maroc, amoureux de ses cultures, amoureux de sa littérature également, à travers un grand écrivain comme CMAI. Merci pour ce que vous écrivez. Du Gabon. Vous êtes cette personne que le ciel nous accorde avec parcimonie. Vraiment, merci à vous. Bonne soirée. Tu fais le travail quand même. Merci, Marie. Tu fais le travail quand même. Oh.
Merci d'être venu à mon anniversaire aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci, Anna, pour l'aide du ses forces à l'obscurité, car la foule tient pour profond tout ce dont elle ne peut voir le fond. Elle a si peur de se noyer. Citation de Nietzsche, extraite de son livre « Le gai savoir ». Pourquoi je choisis cette citation ? Je la choisis tout simplement parce qu'elle m'a accompagnée tout au long de la lecture de ce livre. La profondeur de la belle Hayat et de sa marraine, la Sarghinia, était bien trop déroutante et déstabilisante pour le commun des Lella de la rue du Pardon. Les femmes de cette rue, porteuses d'un nom quasi antipode de sa devise, n'avaient pas l'audace de se noyer dans de pareilles obscurités. Assumer son art, sa volupté, sa capacité à éveiller les désirs, sa sensualité et l'harmonie avec son propre corps, voilà qui n'est pas donné aux femmes femelles des parages de la rue du Pardon. Elle les envie, elle les jalouse, mais au fond d'elle-même, elle rêvait de leur ressembler. Ne serait-ce que dans la lascivité du mouvement, sans parler de la magie de l'art. Et si je repense à la délicate expression d'Enthoven quand il dit « Est-ce que l'art imite la nature ou est-ce que la nature imite l'art ?» Sarghinia nous prouve que l'art est naturel et Hayat nous démontre que la nature peut être artistiquement forgée. J'ai ri et j'ai pleuré pendant la lecture de ce livre. Aussi sulfureux qu'angoissant puisse-t-il être. On y rencontre mille et une émotions à la seconde, un panel d'interrogations d'ici et d'ailleurs, et chaque page regorge d'un paquet de révélations aussi déroutantes que surprenantes. Hayat, incarnation de la vie avec toute son horreur, mais aussi toute sa clémence, nous rappelle un délire freudien peu admis. La relation mère-fille est souvent binaire, ou elle est dans le rejet, ou elle est dans l'identification. Hayat a rejeté sa mère parce qu'elle était trop fade pour contenir sa douceur, et s'est identifiée peut-être à la marraine, Sarghinia, qui a su s'assumer sans perdre la douceur maternelle. Le péché n'est pas toujours le créateur de hiatus dans les relations humaines, en fin de compte. C'est ce que les humains en font qui lui donnent cette essence. Et le pardon dans tout ça, vous allez me dire. Pourquoi le Tout-Puissant le promet alors qu'ici-bas, le commun des mortels s'en prive et en prive les autres? Si la rue du pardon est si riche en animosité, pourquoi redoute-t-on la représentation du mal chez ces femmes, peu maléfiques pourtant? La route vers l'enfer est si bien pavée de bonnes intentions, tout comme la rue du pardon, tellement épineuse et tellement abusive qu'elle ne peut épargner à Hayat, à la vie, mais aussi aux vies, est-ce, de succomber à la dérive. Au final, il n'a pas eu tort celui qui a annoncé « Ce qui sépare la folie du génie ne se mesure qu'à l'aune du succès. » Oui, cet extrait du film « Demain ne meurt jamais ». Mais ce même demain ne doit-il pas survivre aujourd'hui déjà? Hayat a survécu, comme toutes les plantes fortes qui résistent aux poisons qui tuent les plantes plus faibles, dit Nietzsche encore. Mais à quel prix? Prix et valeur ne font pas référence à la même chose, mais les deux conspirent à l'équilibre d'un marché, la tyrannie de la mesure. Et Hayat incarne une volupté démesurée. Bon, moi, j'aurais mais avant de parler du titre, je crois que quand on est devant un roman, vous êtes bâclé avec l'accomplissement. Vous commencez à toucher les sommets. Je crois par rapport à la structure du livre, comment vous résolvez les problèmes des rebondissements, les acteurs, personnages, c'est extraordinaire, ils sont bien travaillés, bien déterminés. Et puis tout ce livre-là, moi je compare à un défilé de L'Oréal, des couleurs, du parfum, c'est agréable, c'est... On n'est pas dans la violence du texte, comme dit Marc Gonta. Justement, c'est ça qui fait le charme de ce livre. On n'est pas dans le vulgaire, on n'est pas dans le facile. C'est pour cela, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discours. Donc c'est un livre très intelligent, moi je trouve très intelligent.
pour revenir un petit peu le titre, moi par rapport à... Mais avant le titre, parlons du thème. Le thème, il parle de la prostitution, point barre, mais d'une façon extraordinaire. Ça me fait penser au livre de Les Confessions de Claude, de Émile Zola. Ça me fait penser aussi des écrits de Dostoïevski, mais aussi de l'incroyable et triste histoire d'Erandira et de sa grand-mère diabolique. Moi, je voudrais donner le titre de L'incroyable et triste histoire de Hayat et de son ange gardien, Bzioia, pas Bzioia, mais Sotiria. Il faut changer le nom d'auteur et l'appeler pour Azalou. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que... Non, mais pourquoi je dis ça? Mais c'est une fleur que je vous envoie. Parce que Garcia Marquez, elle a traité le thème de la prostitution en Amérique latine, mais d'une façon extraordinaire. C'est une grand-mère qui va condamner sa fille à se prostituer pendant, pour la rembourser parce qu'il a fait brûler la maison. Il fallait qu'il la rembourse. Donc vous aussi, c'est la prostitution, mais raconté d'une façon très intelligente. Tout est dans la suggestion. Les mots, ils sont justes, ils sont extraordinaires. C'est un livre plein de tendresse, plein de joie, plein d'humour, mais aussi de tristesse. Il n'est pas tragique. C'est pas la tragédie, c'est pas le livre de Émile Zola où une prostituée, un étudiant qui va essayer de l'aider, il va échouer. Non, vous non. Vous, donc, et pour revenir un petit peu, pour un petit peu être dans le discours savant, bon, on est devant ce qu'on appelle la littérature de la prostitution. Je ne sais pas si j'ai... Non, mais attends, c'est ce que je pense. Moi, je n'ai pas, écrit dans ce sens. Vous l'avez lu dans ce sens. Moi, j'ai écrit... Non, mais attendez, laissez-moi finir. Une histoire d'une femme libre. Non. Et ça, ce n'est pas la possibilité. Non, mais je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que la littérature de la prostitution, il polarise sur au fait... deux directions sur un discours virulent. Il y a ce qu'on appelle les uns, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire ils opèrent dans la dénonciation de ce qu'on appelle l'objectivation de la prostitution, de la femme à travers la prostitution, ce qui est une violence en soi. Et puis vous avez l'autre courant qui est un petit peu dans l'émancipation, comme stratégie d'émancipation. Et vous l'avez dit dans le point. Vous avez dit, c'est des femmes qui s'émancipent à travers la prostitution. C'est-à-dire qui échappent. Non, la prostitution est faux. Une chanteuse, je me bats contre ce que vous dites. Je me bats pour dire que ce ne sont pas des prostituées, ce sont des artistes. Ce sont des artistes, ce sont des féministes, ce sont des femmes libres. La prostituée est une prostituée. Mais je ne parle pas, ce n'est pas le sujet. Parce que il y a ce n'est pas mon sujet. Je ne peux pas. Mais faut qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Moi, c'est la lecture que je fais. L'artiste, il opère avec son esprit, et la prostituée, il espère avec son corps, avec sa beauté. Il la met en valeur, il la vend. Alors, toutes les chanteuses sont des prostituées dans le monde? Comment? Toutes les chanteuses qui chantent dans le monde sont des prostituées? Non, c'est pas. Ben, si. Non, mais moi, ce que je dis. Il parle d'une chicha. Oui, je sais. Je vois pas ce que la prostituée. Mais ça ne veut pas dire prostituée. Non, mais... Moi je connais Fatima Chir dans les son médecin et qui a travaillé pour ses enfants. Et quand on a dit à son mari, en tant que prof. Voilà qui c'est pas juste prostituée. Dans le roman, il est sollicité. On la regarde. On sollicite toutes les femmes. Mais on sollicite toutes les femmes. C'est pas de la prostitution, enfin quand même. Non mais c'est terrible ce que vous venez de dire. C'est un mépris de la femme qui est incroyable. Absolument pas. Si. Moi je sais. Non. Vous me laissez finir. Vous me laissez finir. C'est pas par rapport au mépris. Non. Il faut pas me juger ça. Moi je suis en train de faire une lecture par rapport aujourd'hui comment on regarde le roman de la prostitution. D'accord. Je rappelle. Oui, le roman de la prostituée. Et si vous voulez, même si cette femme se prostitue, mais dans notre imaginaire marocain,
La chicha toujours synonyme de prostituée. Je ne peux pas continuer ça. Justement, c'est ça, l'équilibre. Vous avez mis une femme en valeur, qui a du corps, qui se bat. Qui réfléchit. Qui a compris la société. Oui, bien sûr. Mais c'est ça la force du livre. Et elle prend la parole. Elle a des complexes, madame. Et c'est ça la force du livre. Parce que vous vous mettez une frontière, une ligne rouge, sans aller jusqu'à la prostitution, jusqu'à la prostituée. Je ne sais pas, peut-être inconsciemment. Mais c'est parce que ma sœur Rémi, elle est mariée. Elle a eu un premier mari, un deuxième mari, elle a des enfants. Mais je pense que votre livre, il dépasse le particularisme. Vous êtes dans l'universalisme. Inconsciemment, consciemment, vous êtes dans l'universalisme. Il y a quelqu'un qui va rebondir sur ta dame, et puis Sophie va venir juste après. Je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Fouad Mazouni, c'est que je ne sais pas s'il a assisté notre clôture l'année dernière, enfin en juillet, c'était le Riwaniyat de Sessadek qui englobait les Riwan, Gnaoui, Melhoun et Chikhat. Et donc j'étais responsable de parler un petit peu sur les chichats, leur histoire, c'est quoi le chicha au Maroc, c'est quoi son rôle, et les qui chicha. Et tout ce que vous venez de dire, je ne suis pas d'accord, dans la mesure où chicha, on a bien trouvé que chicha, il fait beaucoup de... Comme il a dit, il est marié, il a ses enfants, il peut même, il est souvent adoptif d'une ou deux orphelins. Et donc, il n'y a pas cette insinuation prostitution dans son identité. D'accord, je remplace le mot prostituée par Chicha. Mais ça change rien. Oui, mais Chicha, oui. Oui, non, je suis désolée. C'est ma zone. C'est un ensemble de femmes qui partagent une condition. Pendant la colonisation et pour avoir l'indépendance, Chicha, il représente la femme qui anime une fête, une circoncision, une soirée. Et elle était bien aimée, bien appréciée par l'homme que par la femme. Je pense entre guillemets, c'est là où vous la mettez dans cette rubrique prostituée. Or que non. Le chicha, il faisait son travail de chicha animatrice pendant les soirées marocaines. Et c'est ce qu'on avait comme animation de fête. On ne pouvait pas avoir autre chose qu'à travers Chicha. Donc, il n'y a pas cette insinuation de prostitution. Exactement. C'est-à-dire, il y a des chichas. Comme Kharboucha, j'ai lu sa vie, qui a été emprisonnée, qui est morte à ce mot parce qu'elle s'est rebellée contre l'autorité, contre le système. Qui voulait faire d'elle une prostituée. Mais bien sûr, on l'a vue comme une prostituée et elle a fait des chants exceptionnels, je les ai écoutés. Donc voilà, parce que dans ce texte, j'avais envie de rendre justice à cette justice-là. Dans ce cœur vibrant qui est cette maison-là, je voulais simplement, j'allais aborder justement ce thème de Chicha qui est aussi le porte-parole d'un discours d'opposition dans la finesse et dans l'art. Parce que Chicha, des fois, sont ces femmes qui osent dire tout le côté revendicatif, qui s'oppose à des injustices, mais avec art et avec délicatesse, avec finesse, sachant que la femme, c'est la courbe. Et pas toujours la droite. Et dans cette courbe-là, on est capable de passer des discours extraordinairement poignardants, mais dans la finesse. Et donc je pensais justement à ce que vient de dire Simati à l'instant, Kharboucha par exemple, qui a marqué l'histoire marocaine. Je parle sous l'autorité de l'historien et qui a laissé quand même une trace profondément importante
de cette contestation, de cette résistance, de cette voix contre le pouvoir et contre un pouvoir agressif, contraignant, mais avec une voix qui a laissé des traces et qui nous a tous bercés, l'État, en l'occurrence, les différents États, et qui nous bercent toujours, et les différents États, pas seulement, et avec tous les genres poétiques qui vont avec. Et donc, dire qu'une chira, c'est toujours une femme qui présente son corps et qui est désirée et qui se fasse désirer, je pense que c'est quelque chose de très réducteur à une forme d'opposition, à une forme de parole qui synthétise un peu le point de vue de toute la société, mais avec la possibilité et le courage de le dire. Le bouh, c'est ce qu'on appelle en arabe chia, kouat le bouh, mais avec subtilité et avec finesse. Et je pense que s'il y a des chikhats, comme vient de dire Silmahi, qui rentrent dans ce genre aussi de transactions et de commerce, ça n'est pas le seul rôle d'une chikha. Je vous rappelle que dans la langue de la sagesse, le mot sheikh ou sheikha rappelle quelqu'un qui est arrivé au summum de sa maturité, et au summum de cette maturité et de cette sagesse, il revient à l'innocence et à l'enfance de la foi. Parce qu'un sheikh ou une sheikha, c'est celui qui recouvre son côté enfant avec l'étonnement, avec la capacité de dire, avec déjà d'un enfant, et de cette déjà qui rend une déjà à toutes les personnes qui l'écoutent. Voilà, ça c'est Enfin, je vais me joindre à ces deux personnes qui viennent de parler. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de monsieur sur. Parce que moi, j'ai trouvé ce livre magnifique et j'ai trouvé qu'il mettait la place de la femme, j'allais dire, avec toute sa beauté et tout son combat. Parce que cette femme est forte et que malgré l'adversité, malgré la dureté de sa condition, elle a quand même du cœur, elle a quand même transmis. Parce que vous l'écrivez dans vous en disant que. Ce groupe de danseurs, il y a quand même de la fidélité, il y a quand même de l'entraide, il y a énormément de valeurs. Et je trouve que c'est mettre la place... Enfin, vous n'avez en aucun cas, à mon sens, rabaissé la place de la femme, mais au contraire, vous l'avez... Les prostituées peuvent avoir tout ça aussi. On a l'impression qu'il faut dénoncer la prostituée. Après, je sans rentrer sur ce débat-là, j'ai déjà conseillé votre livre à mes élèves parce que je trouve que c'est un reflet de la société marocaine. Vous allez faire rire à ma fille. Oui, oui. Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Je vais vous payer, madame. Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix parce que... Elle dira de la page. Elle n'aura pas le choix parce que c'est vrai qu'en terminale, on étudie l'analyse de la société, de la structure sociale. Et j'ai toujours je mets toujours un point d'honneur à étudier la société marocaine parce que je trouve que c'est important d'étudier la société du pays dans lequel on vit. Exactement. Et que même si je ne suis pas marocaine, je suis, j'allais dire, très attachée à connaître cette... Voilà. Et donc, c'est un livre qui est vraiment extrêmement, à travers l'histoire d'une femme, etc., apprend énormément sur cette société. Voilà. Les chérates, on va dire, chantent là-bas, et non seulement sur la résistance, mais également, moi je me rappelle par exemple, je l'ai lu il y a longtemps, mais je me rappelle par exemple quand elle chantait sur les... Il y avait les hommes marocains qui partaient à l'étranger pour travailler, et les femmes restaient. Hein? C'est magnifique. Voilà, comment elle cite, comment elle cite, il y avait beaucoup de personnes. Quand leurs maris qui sont là-bas et eux qui sont au Maroc avec les conditions du Moyen Atlas et tout ça, et c'est approche. Voilà, donc je voulais rajouter ça. Pendant que j'écrivais sur la maison, il fallait que je sois dedans. Après, il fallait que. Quand c'est la besoin, elle est dedans. J'ai cette anthologie de Brahim qui est sublime et qui n'est pas disponible. Je ne sais pas, j'ai une rencontre à l'OCP, je leur ai dit, c'est eux qui ont financé. Je leur ai dit, mais il faut que ce coffret
soit pas cher et distribué pour tous les Marocains, parce que c'est notre histoire et c'est notre vécu et c'est notre je vous assure que pourquoi j'ai appelé tout à l'heure, on m'a posé la question sur la diva, pourquoi diva? Moi je suis un fan d'opéra, j'écoute la Callas du matin au soir, mais je vibre pareil quand j'écoute. Sinon, un peu plus. Peut-être un peu plus. C'est-à-dire que j'ai davantage de frissons. quand j'ai le Hamoulia et la Callas, pour moi, je les mets dans le même. Et dans ce texte-là, j'avais envie d'en faire des divas. Et d'ailleurs, la couverture parisienne. Oui, celle que j'ai. Oui, celle que tu as. Ils ont mis une danseuse orientale parce que en France ils n'auraient pas compris ce que. D'abord en plus elles sont grosses. Esthétiquement. Elle entre pas dans la couverture. Non mais parce que. C'est normal. Alors j'ai toléré cette entorse. Est-ce que c'est pas de la danse orientale? Parce que moi c'était plutôt le bot. Hein. Le bot. Okay. Les deux jumelles de Saint-Rémy. Et l'auteur ne nous dit jamais si son père est vraiment son père, parce qu'elle est née avec cet handicap dans un entourage qui n'est pas le sien. Est-ce qu'effectivement c'est une enfant naturelle? Parce que quand on pousse cet inceste, on se pose la question, vous êtes finalement son père, parce que s'il a voulu la voler, parce qu'il y a tellement de pudeur dans cette culture qu'on ne parle pas de mots impurs. Vous parlez la dernière fois que j'ai été volée, j'ai trouvé ça magnifique, très joli, parce que c'était un vol, plus exactement. Donc on ne saura pas si c'est vraiment son père ou si elle était colportée par sa mère, qui reste toujours silencieuse, qui se recueille dans la prière et dans le pardon, parce qu'elle s'est fait pardonner. Et comment une diva... Exactement. Et comment une diva... J'ai fini. Et comment une diva, Sarenia, qui a dompté tout ce monde autour d'elle, qui est arrivée de faire de Hayat une étoile filante, n'est pas arrivée à dompter ses filles. Eh oui, parce que elle peut rien. On peut rien contre ses enfants. On peut tuer des lions, et tu peux te faire décapiter par ton os. Non mais c'est la vérité. Alors on va écouter maintenant. Merci, il faut le dire. Parce que. Dans ton anniversaire, c'est quand même... Alors qu'on n'entend pas, c'est pas normal, c'est d'abord pour remercier Leïla. S'il vous plaît. C'est d'abord pour remercier Leïla pour cette soirée, pour cette rencontre heureuse et sanitaire pour tous. Et aussi pour féliciter... Je vais m'expliquer. Salut ton courage parce que jusqu'à présent, et je trouvais ça très sage, tu es arrivé à te défaire de la sphère familiale de certaines de tes productions assez rapidement, au moment où d'autres s'apesantissent là-dessus. Ils y mettent plus de temps parce qu'ils trouvent plus de nostalgie, de narcissisme, etc. Donc avec le dernier roman, j'espère que tu as tourné cette page. Tu as quand même su à temps te défaire de la sphère publique avec les débuts dans la ville de Casa, avec tout ça. Et ça a été une dérive. Ça allait te prendre aussi. Et bon nombre d'écrivains marocains, et même arabes, et même tout simplement dans mon entier, n'arrivent pas à se défaire de ça. Donc tu es arrivé assez vite à te défaire de tout ça pour aborder la réalité marocaine
tel qu'il est. Et donc, plongé dans le bas-fond de la sphère, que j'appelle la sphère des nerfs, qui est très délicate et qui est mis à découvert et en danger. Parce qu'on ne peut pas aborder cette sphère sans prendre parti, se contenter d'être rapporteur, historien, etc. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on prenne, on s'engage. On s'engage et tout. Donc, c'est une trajectoire qui n'est pas linéaire, comme disait l'autre. Mais dans ce cas, en plongeant à corps nu dans ce bas-fond-là, tu t'exposes à la dérive sociologique. Parce que dans ce cas, on n'a qu'une seule perspective. C'est de restituer le contexte, l'ambiance, etc. Et donc de faire de l'histoire de la sociologie. Et dans ce cas, la sociologie prend le dessus sur la fiction. Alors ma question est simple. Comment est-ce que tu as pu aborder ce cas-là, ton gouffre là-dedans, sans apparat, sans couverture, et esquiver cette dérive sociologique? Parce que le roman, dans ce cas-là, aurait dû être un témoignage avec, à la clé, un plaidoyer. On ne peut pas parler de ça sans être dans le discours du procureur du roi, ou dans le plaidoyer, l'avocat, en défense. On ne peut pas être dans les deux. Donc comment est-ce que tu as pu doser la part des deux et sauver le roman? Parce que le roman reste après tout et avant tout une fiction. Une fiction. Et il ne doit pas être un prétexte pour sortir son marteau-piqueur idéologique et allons-y, là, j'aurais arrêté de lire. Et pour aller vite, pour terminer, je crois que, à cette occasion-là, je me rappelle ce que disait Najib Mahfouz. Il disait que le roman est comme la vie. Il est sage de nous tromper, car s'il nous dit le tout dès le début, nous refuserons de le lire. Et si la vie nous dit tout dès le début, nous refuserons de naître. Voilà. Oh, bravo. Est-ce que quelqu'un... La danseuse, mais dans un autre livre, je suis le kamikaze qui est mort. Et dans un autre livre, je suis l'immigré clandestin qui est monté dans l'avion, et dans le bateau, dans la patera. Et dans un autre livre, je suis tous ces gens-là. Ça, c'est l'écrivain, non? Je fais juste mon métier. Je ne pense pas, je ne réfléchis pas de façon intellectuelle. Ce n'est pas l'essai. Je ne réfléchis pas de façon intellectuelle. Qu'est-ce que je vais défendre comme... Je raconte de la même façon des histoires comme le gars de Jem Alfna, le conteur. D'ailleurs, le 5, je vous invite tous à venir à Jem Alfna parce qu'il va y avoir des rencontres entre les écrivains et les conteurs et sur la place. Et ça va être sympa. Je ne suis rien d'autre de plus qu'un gars qui raconte des histoires. C'est-à-dire, je prends des risques. Peut-être parce que ce sont toujours des sujets, j'ai écrit sur le terrorisme, sur l'immigration, sur l'esclavage, sur tout. Mais ça, je n'occulte personne. Je n'occulte personne. Non. Et je suis en même temps tous ces gens-là. Merci Marie. Ah oui, Younes, c'est sûr que tu devrais nous faire. Moi, je reviens sur un point qui vient d'être abordé, mais sur lequel tout au long du livre je me posais la question. Et au fait, j'ai appelé Tata Leïla au téléphone quand j'étais à la page 117. J'ai dit, afin que tu le lui dis, tu lui poses la question. Elle m'a dit, tu vas le lui dire toi-même, ma surprise. J'ai juste envie de... Bon, je comprends que vous puissiez... incarner tous les personnages sur lesquels vous parlez et auprès desquels vous nous rapprochez,
Mais moi, ma question, c'est que je m'adresse à l'homme avec un petit H, Mahi. Comment est-ce qu'un homme peut parler avec autant de délicatesse et de profondeur de ce que peut ressentir ou vivre une femme, et pas n'importe laquelle, une femme qui subit la ségrégation, le rejet, l'interrogation sur son paternel, la remise en question du mâle, la remise en question de l'idéalisation masculine, de par rapport à son corps, est-ce qu'il est dans l'abus ou est-ce qu'il est dans l'admiration? Alors, sortir de la peau de l'homme, qu'est-ce que ça vous a coûté? J'ai envie de comprendre. Une fille. Donc elle a décidé que j'étais une fille. Elle m'a laissé pousser les cheveux. Elle me mettait des robes de fille. Elle me faisait danser comme des filles. J'ai échappé par miracle parce que je continue à aimer les femmes. Mais... Donc, écrire pour moi dans la peau d'une femme, je connais ça depuis longtemps. Et moi, je vais rajouter quelque chose. Ma grand-mère a perdu son mari. Elle n'avait pas 20, 30 ans et elle avait 8 enfants. Donc, elle a été le patron, le chef de la famille. D'où c'est la lecture elle, de mon c'est, passage. C'est elle qui a tout dirigé. Après, ça a été maman. Et donc, on a eu une femme qui a dirigé. Et elle a dirigé non seulement notre maison, mais elle a dirigé toute la famille. La rue, et c'est normal. Toute la famille, toute la rue, et tout Marrakech. Absolument, absolument. Pour la Zoukadienna, la Lamina, la il y avait Dada à la maison, il y avait moi, je n'ai connu que des femmes. Donc, pas des femmes. Mais ça me va très bien. Mais oui. C'est pour ça que j'ai lu des passages que je n'ai pas commenté. J'ai lu deux petits passages. Ça, il a compris. Il a compris. S'il vous plaît. Non, et en plus, c'est l'artiste. Alors, les étudiants, je n'ai pas entendu. Les étudiants, ce sont. C'est mon copain. Depuis très longtemps. Et Younes était professeur universitaire à Amiens, à Caen, et il a été dans l'associatif, il a fait, et il m'a invité il y a, je sais pas, 25 ans, ouais, j'avais un an et demi, il m'a invité à Caen, ouais. et on s'est rencontrés, on est devenus copains, et puis il a décidé de rentrer au Maroc, parce que le Maroc changeait, et parce qu'il fallait intégrer l'équipe des droits de l'homme avec les amis, tout ça. Et voilà, et là il est devenu. Je lui ai fait acheter une maison pas loin de chez moi. C'est tout récent. Pour qu'il ne puisse pas m'échapper. Voilà. Et il s'est proposé de travailler avec nous. C'est extrêmement rare, rarissime, exceptionnel. La mère. Soit que là elle est grande, soit que là elle est là, mais je sais que tu es entouré aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est passionné par la littérature et par la pensée, par les idées, la réflexion. Et donc c'est un bonheur, vraiment un bonheur. Ma question, ça tombe très très bien, mademoiselle ou madame vient de la poser. Mais je sais ce que Marie avait raconté parce que je lui ai déjà posé, mais je voulais qu'il le dise. Donc ça y est, il vient de le dire. Il s'occupe d'un salon à Genève et il m'invite à chaque fois. Et il n'a pas encore posé la question, je sais déjà. Moi, j'ai eu le bonheur, sincèrement, parce que Mahé me fait cette amitié-là. Lorsqu'il écrit, il m'envoie des choses à lire. Et donc, au fur et à mesure, il m'envoie ses chapitres. Et autant d'autres livres, je pense que je les ai lus sur PDF, effectivement, lorsqu'il m'ouvre, enfin, sur traitement texte. Et après, je lis le bouquin lorsqu'il paraît. Autant là. J'ai lu sur le Word, j'ai lu ensuite sur le PDF, j'ai lu la version française, j'ai lu la version marocaine, et j'ai relu avec ma femme, qui l'a lu, qui est tombée complètement en admiration devant le bouquin. Et donc du coup, je l'ai re-relu pour discuter avec elle d'un certain nombre de choses. Donc je connais très... Je crois sincèrement que c'est l'un des livres les plus aboutis aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on s'amuse avec Marie là-dessus aussi. Si au bout de 10 bouquins et à 60 valets, il attaque. 60 valets, ta mère.
Je pense sincèrement qu'il y a une maturité, c'est certain. Il arrive. Mais en même temps, il arrive à quelque chose et il revient à des fondamentaux. Parce que je pense que Ben-Nao, par rapport à Cannibal, ou par rapport à Pollen, par exemple, on retrouve un petit peu ce souffle. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, je pense que beaucoup de monde a dit que c'est une lecture rapide, facile, etc. Moi, je pense qu'il y a un souffle dans ce bouquin, mais qui est juste extraordinaire. Je veux dire, à un moment, on arrive pratiquement à la jubilation. La jubilation, tout à l'heure, Benjamin disait effectivement, Ben-Nao, il y a du crescendo, on passe par du moderato, puis après, ça pète carrément, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça. C'est surtout lorsque je disais chapitre par chapitre, c'est vrai, il y a un souffle qui ne retombe jamais. Et puis, il y a effectivement ce trou noir. Qui est juste, le chapitre 10, juste avant. Sincèrement, c'est une trouvaille juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on zappe 10 ans et tout d'un coup, on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le reste. Et puis on est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'aime bien. Tout à l'heure, il disait Ben-Nao, je me disais. Peut-être qu'ils ont oublié des il a perdu une partie. Des pages. Si, c'est arrivé. Avec l'édition marocaine. Avec moi. Avec moi. Les 141 pages sur l'édition. 2000 ans. Quel que soit ce qu'il en dit. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, etc. C'est un casse-gueule pas possible en littérature. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs hommes qui savent parler en disant « je », « femme ». Parce que j'aime beaucoup les femmes. Non, mais ça, je le sais. Parce qu'il y a une belle. S'il n'y avait que ça. Mais c'est une chose. Mais c'est vrai que c'est ce d'exactitude. Oui, non, ce risque-là, il a été totalement contourné. Et c'est vrai qu'on peut enlever le nom de Marie et on croit que c'est une femme qui écrit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour cela, bravo, camarade. À ta lorsque j'ai parcouru j'ai constaté que vous assimilez les Chirac à vous assimilez les Chirac qui sont à la fois adulés et en même temps honnis par le peuple, par la société, à des geishas. Est-ce vraiment le cas ou bien c'est une manière pour vous d'exprimer c'est votre tout notre débat avec Sérieusement, ce sont des c'est-à-dire nous sommes dans un pays où on veut les choses. C'est-à-dire on veut, allez, je vais le dire avec encore une expression marocaine, on veut manger l'ail avec la bouche de l'autre. C'est-à-dire, je veux un truc, mais je ne veux pas endosser la responsabilité ou l'odeur de ce truc, etc. C'est-à-dire, vraiment, c'est ces femmes-là, nous les voulons. Nous les voulons dans nos fêtes. Nous les voulons dans nos... Mais je ne veux pas que ce soit ma soeur, je ne veux pas que ce soit ma mère, je ne veux pas que ce soit ma cousine, je ne veux pas... Il y en a marre. C'est-à-dire... Donne un petit plat face à cela. Mais c'est ça. C'est-à-dire, dans cette société-là, on ne veut pas admettre les choses, on ne veut pas assumer. C'est-à-dire, c'est ce que je disais dans la vidéo... oui, bien sûr, mais cacher ce sein que je ne saurais voir en public. Cacher cette homosexualité que je ne saurais voir en public. Mais en privé, n'est-ce pas? Il n'y a aucun souci, on peut faire les choses. J'ai besoin de ça, je veux vivre ça. Et voilà, donc. Mais en cachette. Mais en cachette, c'est-à-dire. C'est une certaine hypocrisie. C'est hypocrisie. Et puis, même c'est dans notre culture. C'est-à-dire, si vous êtes, si vous avez un vice, cachez-le. Encore un vice, il faut discuter ce que c'est que le vice. Le vice, c'est celui qui est le plus fort, qui décide que telle chose est un vice.
Voilà, donc ces femmes-là, elles sont adulées, mais elles sont au nid. Elles sont, mais elles sont au nid. On les aime pas. Je veux pas l'avoir dans. Je veux pas qu'elle soit ma soeur, je veux pas qu'elle soit ma femme. Et en même temps, je veux qu'elle soit dans ma fête et qu'elle me fasse plaisir et qu'elle soit une artiste. Ce livre-là, c'est pour dire il y en a marre de tout ça. Et en ce moment, il y a tout un débat là-dessus. Parce que cette société ne veut pas se voir. Elle ne veut pas se voir. Elle se ment. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni absolu. Et c'est pour ça que ce genre de livre, je pense, est utile en ce moment. Sa propre tragédie. Et j'en ai fait un personnage de roman. Merci. Alors, les questions. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie bien d'être là parce que je m'inspire de vous tous. Et quel honneur de m'adresser à un artiste, un véritable artiste comme vous, Monsieur Mahidindi. Et vous devriez savoir que maman et moi, on vous avait suivi, on vous connaît et on vous respecte tant. Pourquoi ? Parce que vous êtes une incarnation de l'art, en forme d'un être humain. Et vous, oui, parce que lorsque j'ai reconnu votre art et que vous êtes un sculpteur, que vous avez des tableaux même à New York, vous êtes une inspiration. Alors, ce livre-là, je le considère un trésor. Pourquoi ? Parce que vous avez abordé un sujet que la majorité des Marocains il hésite à parler d'un tel sujet et à aborder le sujet des chichats, ce qui concerne les chichats. Alors, les chichats, ils représentent notre propre identité. Et j'étais à pas mal de fêtes de mariage avec ma mère et une soirée, je me rappelle bien que nous avons aussi abordé le même sujet. Et elle m'avait dit, est-ce que tu n'as pas vu comment les gens apercevoient les chichettes? Et la chicha, lorsqu'elle va égayer une célébration, un mariage, quand elle va finir, alors quand sa performance va finir, tout le monde ne souhaitera pas qu'elle soit avec eux. Et la chicha n'a pas... on ne lui donne pas assez de valeur, la valeur qu'il mérite. Et lorsqu'on dénigre la chicha, ça veut dire qu'on dénigre notre propre identité, qu'on dénigre notre propre culture. Parce que lorsque je vais partir au Japon, ou bien en Espagne, et je vais retrouver des personnes qui vont performer du salsa, ou bien n'importe quoi, je ne vais pas juger cette personne et lui dire « Vous êtes une prostituée, ou bien vous êtes quelqu'un de mauvais, ou bien je veux pas qu'on soit des amis. » Non, parce que l'art, ça reflète la culture de ce patrie, et aussi la culture qui est une forme d'art. Et vous avez parlé de Hayat, de cette fille qui, dans sa vie, était tout à fait sombre, tout à fait obscure. Et puis Manita était la lumière qui va illuminer sa voie et qui va être la clairvoyance vers un futur qu'il a. Alors elle va s'inspirer d'elle et elle va aussi atteindre peut-être un statut et elle va dépasser Manita. Elle va être encore plus riche, elle va apprendre à forger un chemin dans sa vie, ce que ses parents ne l'ont pas appris. Alors, ce que je voulais dire est que je vous remercie énormément pour aborder un tel sujet et je m'estime tellement chanceux de vous avoir rencontré au sein de ce salon de lecture et que vous soyez le frère de ma propre professeure que j'adore tellement et je veux bien vous demander. Marie, tu es mon frère. S'il vous plaît, il termine, il y a Marie. Et je veux bien vous demander si vous êtes prêts parce que je veux vous dire que le monsieur Mahidindi mérite qu'on lui applaudisse. Et oui. Parce que vous êtes vraiment un véritable artiste et une inspiration à nous tous. Merci. Merci Simon.
Et ça a été vraiment une vraie découverte au sein de ces gens-là qu'on pointe juste du doigt. Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est cette immersion dans leur, dans un autre monde. Et là, je trouve aussi la même sensation. C'est vraiment... c'est des gens qu'on voit, qu'on cherche pas vraiment à comprendre comment ça marche pour eux. Et là, on est vraiment dans la peau du personnage et on ressent les sentiments qu'il ressent et c'est ce que je trouvais merveilleux. Vous n'avez pas cherché vous avez juste raconté l'histoire avec une telle appréciation et une telle compassion que je trouve admirable. Merci beaucoup. Merci Lille. Là, pas de question. Hayat, as-tu? T'es sûre? Alors, des questions, une question, qui aurait des questions? Je pense que lorsqu'on est artiste... Je réponds à sa place comme si j'étais à sa place. Je suis un artiste, elle est un artiste, ou il est un artiste. Et on ne choisit pas, c'est sa vocation. Moi, on m'a obligé d'aller faire des mathématiques à Paris. J'ai fait des mathématiques, j'ai eu des diplômes, j'ai enseigné et je suis revenue. C'est comme les sournois. Tu ne peux pas faire autrement. C'est ta destinée, elle est là. Ouais. Tu reviens. Exactement. Et c'est comme ça. Et donc, je pense que ces filles-là, elles ont envie de chanter, elles ont envie de danser, elles ont envie de monter sur scène, elles ont envie de lumière. Elles sont la lumière. Et c'est tout. C'est un choix. Tu vas pas en tant qu'artiste vers un truc que tu veux pas. Moi je trouve que c'est aussi une vocation. C'est la vocation. Ammonia. Mehdi, voilà, il y a. C'est sa vocation. Elle fait des choses belles. Pardon, il veut dire un mot? Je veux juste dire un mot par rapport à cette discussion-là, et la discussion de tout à l'heure. Bernard, là, ça nous mène précisément à un débat sociologique. Ce n'est pas à propos du livre, encore une fois. Là, on est dans une fiction, ça s'appelle comme ça. Mais peu importe, maintenant il faut, je pense, sans faire rebondir la porte. Mais moi je ne sais pas, je pense, si vous prenez par exemple quelqu'un, une star exceptionnelle qui a marqué l'histoire des chérades de ce pays et de l'Aïta, il s'appelle Fatma Bikossi, par exemple. Si vous voyez le parcours de Fatma Bikossi, sa vie, sa biographie, qui est une des grandes, très grandes chérades qui a formé énormément de générations de chérades, c'est une nana qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, qui n'a jamais veillé, qui n'a jamais machnawa. Elle a perdu beaucoup de... par rapport aux standards qu'on se fait, il y a chérade, elle n'a pas voilà, c'est une fille de machin. Mais c'est ça. Et elle a quitté sa maison pour aller chez sa soeur et vivre avec elle. Pardon ? Et elle a quitté sa maison pour aller vivre chez sa soeur avec son frère. Absolument, absolument. Voilà. Vous connaissez. Il y a la question du patrimoine. Je suis dans la défense du patrimoine. Par la casquette. Mais pour revenir à cette histoire, je pense que personne ne pourrait oser imaginer. Vous parlez d'artiste. Anouk Chiraz, ou par exemple, c'est un peintre. Il y en a d'autres qui sont des poètes, ou la Hadaz et Magina, c'est un peu musicien. Mais vous savez très bien qu'à un moment, on a parlé d'art sale, de culture sale dans ce pays. Oui. Il y a la culture propre, il y a la culture sale. Et lui, c'est dans la culture sale. Ce qu'il faisait, ce qu'il fait là, c'est dégueulasse. Et évidemment que c'est dégueulasse. Ce qu'il écrit, ce qu'il peint, ce qu'il adore. C'est-à-dire que c'est un regard. Et moi, c'est ce que je voulais dire au monsieur qui est passé tout à l'heure. On est toujours le prostitué, la prostituée de quelqu'un. Parce que c'est son regard qui vous fabrique. Et là, en l'occurrence, par rapport à Chirac, c'est véritablement ça. C'est-à-dire, si vous prenez Chirac comme des artistes et vous regardez
leur performance, que ce soit au niveau de la danse, au niveau de la suggestion, au niveau de la parole, au niveau de la... Et vous le regardez avec une tête froide, en tant qu'homme, vous avez dit, non, mais bon, ah ouais, non. Mais si vous le regardez avec une autre tête, peut-être un peu plus chaude, bien sûr, oui. Mais il avait raison, mais le gars, c'est pire parce encore. Que la société les regarde comme ça, sûr. Comme lui les regarde. Bien sûr. Et c'est pire ce sens-là est intéressant. On l'a un peu brimé, mais enfin... parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pire encore parce que même les femmes ont un regard. On se regarde sur ça. C'est un chérette qui est un regard. Ah, mais c'est pas grave. On écoute déjà les mêmes. Arrête. Je voudrais juste. Je ne parle pas de toi, mais de manière générale, la société féminine elle-même, marocaine, elle porte un regard. Discriminant sur Chirac. Je suis désolé. Ça peut arriver. Parce qu'elles sont considérées comme des voleuses d'or. Des voleuses d'or. Donc elles peuvent être. Et je dis une dernière chose d'ailleurs, le jeune homme tout à l'heure, il a évoqué un peu ça en parlant de salsa par exemple. Je ne sais pas, mais je pense que tout le monde connaît un peu le festival de Rio ou la Hada. Vous voyez des nanas qui sont carrément nues. C'est pas roulant ou la Hada. Et on trouve que c'est vachement beau. Et même dans le monde arabe. Personne n'a jamais pensé à l'Égypte. À Oula par exemple. Mais je ne sais pas. Dans notre jeunesse. La Samia Jamel ou Aïd Makarem. On a vu. C'était des danseuses. Est-ce que quelqu'un a jamais pensé. Mais plus maintenant. Non, maintenant. Est-ce que quelqu'un a jamais. Il y a ma deuxième question. Est-ce que quelqu'un a jamais pensé que Anna ou Madonna est une prostituée? Voilà, Aoula, on ne sait pas leurs conditions de vie, mais on peut dire qu'elles ont été obligées de traverser un tel chemin et d'être les personnes qu'on apercevait maintenant dans notre société. Mais d'être la personne que vous êtes vraiment dans un monde qui impose qu'on doit changer contre notre volonté, c'est... Alors, on peut dire que vous avez accompli quelque chose de grand et quelque chose de majestueux. Et les chirettes, elles sont l'équivalence de l'art et de l'identité marocaine. Oui. C'est bon. Et c'est des choix. On va faire deux maths. Et à la fin, il se retrouve à faire ce qu'il est en train de faire. Et bien la gamine, la Hayat, quand elle était gamine, elle voulait se tortiller, elle voulait danser, elle voulait chanter. Moi, je voulais être chirac, réellement. Ah, il y a d'abord les contrariés. Sauf que j'ai chanté faux, donc c'était pas possible. Mais là, tu m'avais dit de 6 ans à 8 heures, non? Il est 10 ans. Moi, c'est juste que j'ai... Elle adore ça. Et du coup, moi, j'étais très fière de ce qu'elle faisait. Je racontais à une copine, à une amie à moi. Je dis, écoute, ma fille, elle a dit, elle adore danser, elle fait de la danse. Et du coup, une heure après, je reçois un message de ma fille pour me dire, maman, tu racontes plus que je fais de la danse. Je dis, pourquoi je raconte? Elle m'a dit, toi, tu la vois comme une fierté. Mais ta copine, à chaque fois, elle dit, et voilà, ghadi tchtah. Et du coup, elle m'a dit, c'est le jugement qui me dérange ici. Et c'est un exemple, en fait. C'est pas le monde qui doit changer, c'est les mentalités. Et c'est cette hypocrisie, comme tu as dit tout à l'heure, Mahi, Brina ou Kamlin Mahana, mais Maïkounou Lasqin Nafouel. Et c'est malheureux. Et ce malentendu est essentiellement culturel. Pourquoi? Parce qu'on ignore tout de ce que c'est qu'une chira. Il n'y a aucun moment, quelqu'un, parmi nos enseignants, parmi ceux tout simplement qui nous montraient le chemin à un moment donné, ça c'est bien, ça c'est mal, nous avaient présenté qu'est-ce que c'est qu'une chira, le discours d'une chira, qu'est-ce que c'est que le contenu de la poésie d'une chira, etc. C'était toujours quelque chose qui est dans l'antichambre de quelque chose qu'on considère bien et bon. Je vous coupe, mais il y a un travail exceptionnel qui est Hassan Jmi. Oui, il a été fait depuis plus de 25 ans. Oui. Mais est-ce qu'elle a été... Alors, le travail de Hassan Jmi, alors, est-ce que le travail de Hassan Jmi a été... Est-ce qu'elle a été vulgarisée? C'est ça, c'est ça.
C'est ça le problème. C'est vrai que c'est un travail exceptionnel. C'est un travail exceptionnel, d'accord. Mais il n'a pas été vulgarisé, il n'a pas été médiatisé. Et c'est ça notre problème avec ce qui se passe. Voilà. Et pourtant, juste un dernier mot là, Leïla. Et pourtant, on attendait les samedis pour la veillée de samedi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la veillée de samedi? Vendredi, on le diffusait Moukeltoum, des fois des pièces de théâtre de Molière, nous sommes au Maroc. Samedi, c'est toujours tout simplement Shira. Shira Amazir, Shira Larouya, Shira Kada. On les attendait avec plaisir. On écoutait ça avec nos parents. Exactement. Peut-être on n'a pas accès à la signification des mots. Peut-être. Parce que la musique l'emporte sur les mots. Là, moi, j'avais des mots. Oui, des fois. Et du coup, c'était pas un problème. Mais dans la rue, à la Médina, à Tramuros, Shira, elle est toujours connotée de. Toujours. Parce que simplement la majorité des gens n'avaient pas accès à ce discernement qu'on peut avoir concernant tout simplement voir et dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Préférable ne pas juger et rester tout simplement à l'écart. Il y a Hassan Lefed qui travaille à la télévision. Il m'a appelé un jour et il m'a dit « Mahi, je voudrais t'inviter à Sahara Al-Humoumiya Al-Kubra. » Ah, Sahara Al-Humoumiya Al-Kubra. Du samedi avec Chirat. Mais ils font passer Chirat. Mais c'était tous les samedis avant. Alors je lui dis Hassan, tu te fous de ma quoi? Il m'a dit je voudrais que tu viennes parler de littérature et de culture. Dans ces Chirat. Et je lui dis mais tu te fous de ma quoi? Qui c'est qui va m'écouter? Je veux dire ça n'a pas de sens. Il m'a dit non. C'est le taux d'écoute le plus grand du pays. Et je voudrais que dans ces soirées-là, je voudrais inviter un artiste. Chaque semaine, il a fait ça. Je crois qu'il l'a viré après. Et je lui ai dit, je vais le faire. Bah oui, je vais le faire. Je vais aller à la Sahara Al-Humoumiya Al-Kubra du samedi. Et on a fait l'émission ensemble. Et il m'a dit, parle-leur de peinture, parle-leur de littérature, donne-leur envie. C'est un fou. Elle était jeune, ça fait genre 5-6 ans. Il faisait le truc de. Et alors, il est venu, évidemment, il a voulu me provoquer. Il est venu avec une chemise bariolée, avec des couleurs, des bleus, des jaunes. Et il m'a dit. Tu vois comment il est. Mais c'est pas que je suis de Marrakech. Alors, il savait pas. Ou alors, il savait pas très bien. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses de ma chemise? Je lui ai dit si on t'accroche au mur, tu vas valoir de l'argent. Mais pour le moment. Alors là, on a commencé à être d'égal à égal. Monsieur Mahi, je voudrais vous questionner. Comment vous avez commencé à écrire la littérature maghrébine pour arriver à ce roman qui est simple, riche et aussi qui est forte de la description de la société marocaine? Je suis arrivé à écrire, de façon générale. Mais quand on écrit, on écrit. D'abord, on commence par écrire des choses qu'on connaît, c'est-à-dire la famille, les cousins, la grand-mère. On commence par ça. Parce que quand on démarre, ça va dans tous les sens. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut raconter. Et donc, j'ai écrit un premier roman. Comment c'est arrivé? Vous voulez savoir vraiment comment? Oui, on revient. Bon, je peux partir. Attends, lui, il connaît l'histoire. C'est parce qu'il y avait un. À l'époque, on s'écrivait des lettres. Et j'écrivais des lettres à un écrivain espagnol qui vivait un peu à Madrid et un peu à Paris. Et donc, on s'écrivait des lettres. Maintenant, vous faites SMS avec des mots. Tronqué, machin, une catastrophe. Mais à l'époque, on prenait la plume. Il y avait une poésie dans la plume. On la taillait. On la plantait.
C'est les termes. Non, il y avait toute une histoire. Et donc, on s'écrivait avec cet écrivain espagnol, on s'écrivait des lettres. Et un jour, comme il vivait un peu à Paris, un peu à Madrid, un jour il m'a dit, mais tu as une jolie plume, tu devrais écrire. Et c'est comme ça que c'est venu. Et je lui ai dit, mais je vais écrire quoi? Il m'a dit, je sais pas, fouille dans ta famille, tu vas trouver des histoires incroyables. Et donc j'ai fouillé dans ma famille. Ma mère à l'époque, elle était malade. Et donc elle venait à Paris se faire soigner et elle passait un mois avec moi. Je l'avais pour moi tout seul. Je la partageais avec personne. Et du coup, elle me racontait plein d'histoires. Et j'ai décidé d'écrire la vie d'une esclave, une dada qu'on avait à la maison. Et à l'époque, évidemment, ça choquait personne. Il y avait des dadas partout. Oui, mais c'était le chef aussi. Oui, parce qu'elles ont été, affranchies. Mais ça veut dire quoi, affranchir un esclave? Ça veut dire que tu es... Non. Ça veut dire tu vas dehors, tu es viré. Vous avez dit dans le livre, c'est même si le soleil d'esclave, il a toujours. Donc il continue à appartenir, bien sûr. Mais sa famille, c'était. Ça voulait dire quoi, affranchir? Dernier truc, c'était dans les années 50, c'est assez terrible. La dernière fois qu'on a franchi, on a. C'est plus ancien. Mais pour, ils sont restés. Ils n'avaient pas wadé. C'est devenu des grands-mères, des grands-pères. Mais en tout cas, j'ai écrit le texte et j'ai écrit la vie. J'ai demandé à ma mère, qui elle-même a demandé à sa sœur, tante Rosalie, qu'elle a appelé tante Majin, etc. Et donc elle m'a raconté plein d'histoires et j'ai écrit un texte et je l'ai donné à Agustin. C'est ce que je vous ai raconté la dernière fois. Quand il est arrivé, je lui ai donné le texte, je lui ai dit voilà, j'ai écrit. Il a lu une page, il m'a dit demain on commence le travail. Et le lendemain, on s'est retrouvés pendant 3 mois, tous les jours dans un café. Et il m'a corrigé ligne après ligne. Il ne faut pas croire, vous lisez La rue du pardon et vous trouvez que ça coule de source. Oui, oui, oui. Si vous savez, le travail, c'est de la sueur qui coule. C'est pas... Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, chaque... Je fais une demi-page. La réponse, tu avais 10 années. Une demi-page par jour et cette demi-page... Il faut vraiment, parce que moi il y a une chose qui est certaine, c'est que un livre qui m'ennuie, je le jette. Je veux pas, j'ai une sainte horreur, j'ai peur d'ennuyer mon lecteur. J'ai peur, c'est-à-dire si je peux faire 3 pages et je peux les condenser en une demi-page, eh bien je les condense en une demi-page, parce que les livres... Les livres m'ennuient, les livres qui s'éternisent, où on met 3 heures, pardon Balzac, où on met 3 heures à décrire les rideaux de machin. Ça me tue et je ne veux pas faire cette littérature. Les bons éditeurs, ils disent qu'il faut enlever le gras. Il faut enlever le gras, il faut dégraisser. Dégraisser le mammouth. Dès qu'on prend votre livre, on le lit d'une... C'est fondamental pour moi de ne pas t'ennuyer. Je ne veux pas t'ennuyer. Si tu me lis, tu vas lire les autres. Mais surtout dans cette ère-là, j'ai une trois fois. Surtout dans un cours long, comme qui ne l'a pas. Je continue. J'ai fait lire le livre à Agustin qui a lu une page. Il m'a dit demain on commence le travail. Et pendant 3 mois, on a travaillé tous les jours. Quand je sortais de mon lycée, on allait travailler dans un café à Saint-Germain-des-Prés et il me corrigeait ligne après ligne, moi, et il me montrait des trucs. Il m'expliquait ce que c'était que la littérature. Et vraiment, c'est un gars qui avait 30 ans de littérature, 30 ans d'expérience, et il m'a appris un peu le métier. Et c'est ce que je vous ai raconté la dernière fois. Le deuxième livre. Le deuxième. Mais oui, parce que... Le deuxième. Parce qu'elle l'a raconté à un ami à moi. Ah ouais. Un jeune écrivain. Anton. Voilà, et d'ailleurs, on voudrait que Marie lise. Oui, qu'on voudrait. Il voudrait lui qu'il le lise. D'accord, je le dirai. Que ce soit, voilà. Et Tata, elle lui a raconté, elle lui a dit, voilà, la première fois qu'on m'a fait partir voir un goût. Il n'en revenait pas, t'es blessé, c'est pas possible. Mais si, il y a des humains comme ça, tu sais pas.
C'est la destinée des artistes, elle est ponctuée de rencontres. Ah oui, il faut toujours qu'il y ait limite comme un parrain qui va l'accompagner. En fait, ça sera dans la maison d'édition. Voilà. Et après, il lui a dit, et après, il a écrit un deuxième livre et il est parti le voir. Oui. Et l'autre, il lui a dit, et Agustin l'a lu, elle lui a dit non, il l'a envoyé balader. Il lui a dit, je suis pas ta mère. Et là, il a posé Anton à Tata la question, il lui a dit, donc si t'entends Mahi me lit la première fois, la deuxième fois, il va me dire, je suis pas ta mère. Je lui ai dit, tu as des chances qu'il te le dise à la première. Non, non. Quand je relis Le sommeil de l'esclave, j'entends Agustin parler. C'est pas mon livre, c'est le livre d'Agustin. C'est mon deuxième livre qui est mon premier roman. Mais je te jure, c'est la vérité. Le premier livre, signé par l'autre. Et quand j'écris le deuxième, évidemment, je suis content. J'ai rue Lamarque, dans le 18e arrondissement, j'ai dit Agustin, j'ai fini. Et il m'a dit bravo, alors donne-le à ton éditeur. Je ne peux pas les donner si tu ne les lis pas. Alors, merci, merci. يما 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 عرفوا الناس في الحب غزوات انتصر فيها الحب والتهزم وبين غزوة وغزوة قطع الزمن مسافات وكتب حكايات حكم فيها القدر وحسم حكايات عشتها ناس حكتها ناس للناس وطوها الزمن وختم ايام السيبة وغابر سنين نروي حكاية مروة همداد حكاية غزالة تفتن بالزين سبحان من صورها خلق العباد سهلت في البال يشبه الليل سيف مسلول من يد جلاد عشقها راجل كان ليه بال في الحوز كان قيد القياد قسم بلا القسم واليمين تكون له خليله ما ترد كلام مشرق قاس رجع في الحين خربوشة يا القايد رفضات الحكام عطى امره عليه ما تلاو خرجوا من خزنية جراو جابوا خربوشة وجاو رموها مسكينة بين يديه شفت القايد تبسم وصبر بغاها بالجاه ما بغات ليه هددها بالقوة وتجبر عطاها الشرط وخيرها فيه وقالت له يا قايد القياد يا الحاكم من الشعبان الواد كيف تطلب مني المحال نسمح في حبي زين الولاد ولدك يا القايد راني تنبغيه ويلو الشيخة مرضت به بغاها تموت قدام عينيه بناو الحوش وصلبوها عطشها جعت بلا قياس بقات في الناس وقربوها استوى القايد خوفات الناس رسل عوانو باش جابو ينصحوها حلفات هي ما تحني الراس راضيه بالموت غير خلوها سعدات اللي مات على الخلاص صفار اللون والعود يبان والنحل الغراب للسما وندب دخلتها الموت وبقات في العساس شفق من حالها عطاها تشرب وبصوت ضعيف خاف من الناس والروح طالها تلاقي الرب قالت له نوصيك بالله يا العساس قول القيد بزاف عليك الحب شكرا Bon, j'ai un chagrin parce que j'ai pas pu discuter avec vous dès le début, mais je respecte tous vos avis. J'ai été émue de partager avec vous ce moment. Mais je voudrais juste revenir et emprunter une phrase du roman de M. Mahi qui est « Il faut que tous les enfants s'appellent Hayat ». Donc cette phrase, elle m'a beaucoup touchée parce que quand on parle de Hayat, on parle de la liberté et seul un enfant qui a connu la souffrance qui pourra déguster après la liberté. Donc cette phrase me représente en quelque sorte, vu plusieurs choses que j'ai vécues dans ma vie, mais cette phrase est aussi un espoir pour chaque personne, un pouvoir pour réaliser ses rêves et une force pour aller de l'avant. D'un autre point de vue, le plus important en tant que jeune, et je le dis haut et fort, c'est de s'assumer en tant que Marocain, de renforcer son identité et nos origines, et aussi de savoir vivre en communauté et surtout savoir rendre hommage à notre culture marocaine et s'accepter pour valoriser notre patrimoine marocain. سواكم في الهوى بدلا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم
يرسموا في الهوى بدلا لكنه رغيب في من يعذبه لكنه رغيب في من يعذبه وليس يقبلون لوما ولا عذابا